Donc vous êtes tous bien masqués, c'est important. Mélanie, tout le monde ne le pourra pas, mais autant que, autant que vous pouvez, mettez-vous une place sur deux. Il n'y aura pas d'espace, une place sur deux pour tous, parce que ça sera... Moi, c'est difficile, hein. Comme ça? Tu veux que je fasse comme ça? Vous m'entendez? Oui. Ouais. Donc... on va attendre. S'il y a de la place, un sur deux. Alors, ouais, alors. Installez-vous. On avait prévu de vous poser une question. Installez-vous. Sur l'endroit d'où vous venez. Parce que vous venez d'un peu partout en France et pour certains aussi de la France outre-mer. Mais en fait, on s'est dit qu'on allait vous la poser autrement, cette question, par rapport au temps que vous avez mis à venir. Alors, on aimerait savoir parmi vous, qui pour venir s'est levé entre 3h et 4h du matin? Levez-vous, ceux qui levez-vous, sont concernés. Levez-vous. Donc on a... Vous devez être bien fatigué. Non, que je dis rien. Tu dis c'est tout, Jean-Joseph, c'est tout. Du comité, enfin non, c'est tout, Jean-Joseph, c'est tout. Tu dis rien. Ça suffira. Parce que c'est moi. Oui, c'est moi, oui, effectivement. Je suis là, c'est quoi là? Installez-vous, s'il vous plaît. Moi, je peux pas parler avec des trucs comme ça. On peut enlever, non? Et à tous, voilà. Aujourd'hui, bonne fête au papa, à tous les papas. Voilà. À tous les papas, bonne fête au papa. Il est 14h11. On arrive quand même dans la dernière ligne droite. Installe-toi.
Excusez-moi, je vois qu'il y a des rangs totalement vides et il y a des rangs où vous êtes les uns à côté des autres, c'est-à-dire trop proches. Il faut absolument que vous vous desserriez et que vous fassiez au maximum 1 sur 2, donc y compris en occupant les rangs qui sont actuellement vides. Là, notamment, les deux rangs du milieu, là, ça ne va pas, vous êtes trop près. On va rester toute l'après-midi, en tout cas les séquences qui sont maintenant dans l'hémicycle maintenant. Donc on ne bouge plus de la place dans laquelle on est. On reste masqué parce qu'on est 150 dans l'hémicycle. Et on vous fera passer, si vous voulez intervenir, un micro-main que vous nettoierez. C'est que mon micro celui-là, je ne le change pas celui-là. Sous le contrôle de Luc. Je propose à la régie de lancer la retransmission si c'est possible. Et de commencer la séquence sur le financement. Et je vais demander à Jean Jouzel, membre du comité de gouvernance, d'introduire cette séquence et de dire quelques mots. Oui, bonjour à tous et à toutes. D'abord, ce m'est un grand plaisir d'ouvrir cette dernière ligne droite. Merci à vous tous. Je le fais effectivement comme membre du comité de gouvernance. Donc, en fait, dans le comité de gouvernance, vous connaissez très bien Laurence, Thierry, Julien, qui interviennent, enfin, disons, et vous appréciez, j'en suis certain. En fait, il y a une douzaine d'autres membres. Nous sommes au total 15 membres dans le comité de gouvernance. Et bien notre rôle, ça a été mon rôle avec Anne-Marie Ducroux dans ce cas, est de coordonner sur chacun des dossiers sur lesquels vous avez travaillé. Eh bien, il y a des membres du comité de gouvernance qui s'impliquent dans la coordination avec, disons, les animateurs. Et dans le cas du dossier financement dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien, c'est Anne-Marie Ducroux avec Mariana et Romain qui sont ici. Alors moi, je voulais simplement remercier ces membres, disons, certains vous les connaissez, d'autres moins, et voilà, je veux simplement leur donner leur nom, et si vous êtes là, vous pouvez faire un petit signe. Loïc Blondiot, voilà, donc... Ah, oui. Léo Cohen... Michel Colombier, Anne-Marie Ducroux, donc Jean-Michel Fourniaud, Dominique Gillier, Jean Grosset, Mathilde Himer, Marie-Claire Martel, Ophélie Rissler et Catherine Tissot-Coll. Voilà, donc merci à vous tous et à vous toutes. Et bonne session. Alors, je rappelle, donc je vais donner la parole à Romain et la question qui vous sera posée donc, sur ces aspects financement. Approuvez-vous la note de synthèse relative aux orientations de financement pour intégration dans le rapport final? Merci Romain, merci Mariana, merci aussi Anne-Marie qui s'est penchée sur ce dossier et merci à vous tous. Merci Jean. Alors la note de synthèse relative aux orientations proposées par les membres de convention, vous l'avez eue, vous l'avez en version papier, et finalement elle est le résultat d'un travail qui était beaucoup plus long. Le financement, on en a discuté dans cette convention en session 4, en session 5, en session 6, dans les groupes thématiques, et on a vu hier, et avant-hier et hier, dans les mesures qui ont été adoptées, comme dans un yaourt aux fruits, il y avait des gros bouts de financement dedans. Il y avait vraiment des choses qui traitent du financement. Et puis, vous aviez souhaité, lors du webinaire du 19 mars, compléter les analyses par des pistes ou des orientations. Là, on n'est pas dans des propositions. On n'est pas dans des choses qui ont été travaillées totalement dans le détail, comme dans les groupes thématiques. On est sur des pistes, on est sur des orientations. Et un débat a été lancé sur J'en parle entre le 11 et le 24 mai, et vous aviez été nombreux à contribuer. On avait eu plus de 180 messages, et à la suite de ça,
sur la base du socle de différentes notes que vous aviez eues depuis le début de la convention, sous le contrôle d'Anne-Marie Ducroux, que je salue, et sous le contrôle de Jean, que vous avez vu. On a essayé de produire une note de synthèse. Cette note de synthèse, elle n'a pas vocation à être un plan de financement des propositions du plan. Elle a bien vocation à être un bouquet, une liste de toutes les orientations, des idées condensées dans une note de synthèse. C'est une dizaine de pages, c'était ça l'enjeu. Il y a quand même beaucoup de matière, et de pouvoir le présenter, car certains d'entre vous avaient évoqué la nécessité de montrer que, oui, la Convention, elle pense aussi au financement, elle y a réfléchi. Donc on a cette compilation qu'on retrouve dans cette note de synthèse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 31 mai, on avait passé 2 heures en webinaire, pour ceux qui étaient là, à discuter, à échanger sur cette note. Vous aviez fait des remarques, on en a intégré pas mal, on a eu beaucoup d'échanges avec beaucoup d'entre vous, et puis vous aviez souhaité qualifier davantage, vous disiez hiérarchiser, avoir une petite vision du niveau d'adhésion sur ces différentes pistes et ces orientations. Alors on a lancé sur J'en parle une consultation, on a essayé de regrouper ces pistes et ces orientations dans une liste assez longue, 78, et on vous a demandé pendant une semaine jusqu'à samedi dernier d'aller coter votre niveau d'adhésion ou niveau de désaccord par rapport à toutes ces pistes. Est-ce que vous étiez très d'accord, tout à fait d'accord? Est-ce que vous étiez plutôt d'accord? Est-ce que vous étiez plutôt en désaccord? Pas du tout d'accord, ou ne sait pas, ne se prononce pas? Et vous avez été 105 à répondre sur les 78 orientation aux pistes. On a été un peu étonnés parce que c'était vraiment beaucoup. Tant mieux, ça rend plus riche l'analyse et ça permet du coup d'avoir une lecture à double niveau. Cette note, elle avait pour but de compiler les éléments en plusieurs chapitres. On en avait déjà parlé et j'en parle pour ceux qui nous regardent. Premier chapitre sur la fiscalité des dispositions fiscales que l'on fait évoluer, que l'on module différemment, que l'on augmente, des taxations qui sont nouvelles, ou alors des impôts que l'on baisse. D'autres éléments autour de l'affectation, l'orientation ou le fléchage des recettes, des financements privés et publics. Alors ça, pour la petite histoire, dans la première version de la note, on l'avait mis en troisième position, on l'a remonté, parce que finalement, c'est apparu comme tout à fait prégnant dans vos réponses. Une partie sur les institutions, les outils qui permettent de financer cette transition, avec dedans des propositions sur l'Europe, qui sont apparues très fortement aussi. Une partie sur l'environnement de transparence financière, pour les acteurs publics, pour les acteurs privés, les banques, vous y apportez beaucoup d'importance. On l'a aussi remonté dans la note. Une partie sur l'emprunt, la dette publique ou les règles de comptabilisation, de comptabilité publique. Et puis, une catégorie, vous vous souvenez peut-être, plus ponctuelle, avec un peu moins de propositions, peut-être plus originales. Ça, c'est la note telle qu'elle était. On l'a enrichie d'une légende colorée. On a fait 4 catégories, finalement, à partir de vos réponses. Alors, premier élément, c'est qu'on a quand même un niveau de consensus fort sur une très grande majorité des pistes et des orientations que vous avez cotées. On se rappelle, on avait 78 pistes, 78 orientations. Pour 59 d'entre elles, vous êtes plus des 2/3 à être tout à fait d'accord ou plutôt d'accord. Et on peut aller plus précisément. 16 de ces pistes, de ces orientations, sont supérieures à 89% en niveau d'accord. On vous les a d'ailleurs listées en introduction, parce que c'est vraiment là de l'ordre du plébiscite. On a une catégorie ensuite de consensus moyen.
on l'a matérialisé par une couleur vert clair. Vous êtes plus de 50% à être tout à fait d'accord ou plutôt d'accord. On a ensuite une catégorie d'opinions partagées. On en a beaucoup moins, mais on en a quelques-unes, où là, la somme des accords, tout à fait d'accord, ou plutôt d'accord, n'est pas majoritaire, et la somme des désaccords, tout à fait en désaccord, ou plutôt en désaccord, n'est pas majoritaire non plus. Pourquoi ? Vous avez été nombreux sur certaines propositions à utiliser le « ne sais pas » pour dire « je ne me positionne pas ». Ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire qu'on a des sujets sur lesquels vous êtes partagés et peut-être que l'opinion française est aussi partagée. C'est une indication. On les a, pour le coup, matérialisés en beige, vous le verrez. Et puis, on a une dernière catégorie avec un faible soutien, c'est-à-dire que la somme des totalement en désaccord, tout à fait en désaccord et plutôt en désaccord est supérieure à 50%. Il n'y en a que deux. Cette note, elle est donc une compilation, mais elle dit aussi quelques messages qui sont assez forts et que vous avez été plusieurs à nous rappeler par message. Et ces éléments, c'est les suivants. En matière de financement, j'essaye de faire votre porte-voix, vous direz. Il n'y a pas une solution de financement, mais une pluralité de pistes, une pluralité d'orientations. Et pour réussir cette transition, il faut arriver à combiner de nombreuses pistes dans différentes familles de financement. Deuxième point, dans le chantier de financement, le plus important, c'est d'arriver à concilier efficacité du financement et justice sociale. Vous le dites dans chacun des messages que vous nous envoyez, et ça apparaît très fort aussi dans le débat J'en parle que l'on avait réalisé. Ça, c'est peut-être le message principal que vous envoyez. Cette note, elle est faite, on a eu beaucoup d'itérations, on a eu beaucoup d'échanges, Mariana a passé beaucoup de temps avec beaucoup d'entre vous. Maintenant, elle vous est livrée, et un peu comme on a fait ce matin, la question c'est de savoir, est-ce que vous souhaitez l'approuver pour intégration dans le rapport, ou est-ce que vous ne souhaitez pas l'approuver, et donc elle ne figurera pas dans le rapport. Ce qu'on peut vous proposer, c'est d'avoir 15 minutes d'échange sur le sujet, en essayant de respecter, dans l'hémicycle, ce qui a très bien fonctionné ce matin, c'est-à-dire des prises de parole en une minute, contre, est-ce que vous avez des arguments contre l'intégration de cette note, ou des arguments pour l'intégration de cette note. On va ouvrir les 15 minutes, on va préparer les micros en les nettoyant, et on va vous demander si l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, veut intervenir contre l'intégration de cette note. Oui. Muriel. Alors, moi, je suis très contente que cette note figure avec tous nos travaux, parce qu'il y a tellement de pistes de financement possibles qu'il aurait été difficile de finaliser les propositions. Il appartient désormais à l'exécutif de trier, de voir ce qui est le plus approprié par rapport à, d'une part, à la transition écologique et, dans un second temps, pourquoi pas, à ce fameux plan de relance lié au contexte actuel. Donc voilà, nos propositions sont là, elles ont le mérite d'exister, et c'est bien que ce soit transmis d'une façon globale, tout simplement. Merci pour cette prise de parole. D'autres prises de parole ? Hubert. Juste quelques instants, s'il vous plaît. Je reprends le micro. Plus par rapport à la façon dont le rapport est fait jusqu'à présent, on a toujours exclu ou listé comme étant
opinion minoritaire ou opinion alternative, plus exactement, ce qui ne passait pas la barre des 50% sur la base des oui et des non. Pourquoi y a-t-il une approche différente sur cette note ? J'essaye de répondre et Jean pourra éventuellement compléter. Le choix, c'était d'être sur un mode un peu différent des propositions et d'être sur quelque chose de large. Finalement, cette consultation, ce n'était pas un vote, c'était une manière de mesurer le niveau d'adhésion et simplement de donner ces éléments-là à l'exécutif ou au grand public qui verra ça. Et c'était aussi pour matérialiser que sur ces questions-là, on était sur un mode un peu différent. C'était aussi pour dire on est sur des pistes et des orientations et ce qui fait vraiment l'objet du vote, ben, finalement, c'est les objectifs que vous avez votés hier. Et d'ailleurs, si d'aventure vous aviez refusé hier des objectifs, on aurait été obligé d'enlever des éléments de la note. Ce n'est pas le cas, en l'occurrence. Mais du coup, elle a un statut effectivement un peu différent. Et c'est le choix qui a été fait par Jean avec appui du comité de gouvernance. Samir ? Je voulais d'abord vous remercier pour cette note, mais surtout dans la réserve que vous avez gardée, c'est-à-dire vous avez fait un ensemble de choses, et je pense qu'il faut laisser l'arbitrage à l'exécutif. Ce qui m'a gêné, par exemple, nous, dans le groupe Se Loger, c'est justement que les transcriptions logistiques ont orienté un peu le financement, et notamment le financement privé. Je retrouve, par exemple, les certificats d'économie d'énergie qui apparaissent donc en page 11. Moi, ça m'a beaucoup gêné dans le groupe Se Loger, que ça, c'était un élément important et qui avait surtout un risque important sur les ménages et le surcoût de l'énergie. Voilà, donc je voulais remercier la réserve de M. Gisèle qui nous a apporté sa contribution. Merci, Samir. D'autres prises de parole ? Pour ou contre ? Oui, on reviendra à toi. Oui, ben. Je t'en prie, Marie-Hélène. Oui, Marie-Hélène. Non, moi, je pense qu'il faut la donner. Je pense qu'elle est très claire. Franchement, quand on la lit, il y a quand même une indication sur les pourcentages vu les couleurs. Et puis, je pense que ça peut montrer à l'exécutif et aux Français qu'on n'a pas donné des orientations bêtes, des propositions bêtes, puisqu'on les a réfléchies, même avec leur financement. Et puis, il y a peut-être des pistes auxquelles n'auront jamais pensé justement les exécutifs. Et ben, peut-être qu'on va leur donner des idées. Voilà. Il y a diverses façons de financer toutes ces immenses et très belles propositions. Merci. Marie-Hélène, on avait une demande de prise de parole d'Yves. Yves, je t'en prie. Oui, alors moi, je trouve formidable, génial d'avoir pensé à faire cette synthèse des financements. Il y a un certain nombre de financements qu'on retrouve d'ailleurs liés à nos différentes propositions dans les différents groupes. C'est absolument intéressant parce que c'est un instrument de travail, je pense, pour nos élus qui vont pouvoir peut-être développer certaines de ces possibilités de financement. Et il faut tellement de capitaux, autant utiliser toutes les sources possibles de financement de la transition écologique. Merci. Prise de parole, Mathieu. Oui, prie. Moi, la seule chose que je voulais poser, c'est plutôt une question, en fait. Est-ce que le grand public va avoir accès à cette synthèse de financement ? Parce qu'aujourd'hui, ça va être nous les responsables, et je pense que le grand public doit être au courant au moins de ce qu'on a proposé. Et aujourd'hui, le fait qu'on ne les vote pas, le public ne peut pas le voir sur YouTube ou sur les différents réseaux ou même dans les médias. Donc c'est pour savoir si le grand public y aura accès. Merci. Si vous approuvez cette note, elle sera intégrée dans le rapport final. Donc elle sera... Je n'entends pas, Mathieu, pas de repasser le micro.
Donc on est d'accord que le public y aura accès. D'accord. Non, c'est pour faire. Question en haut. C'est Daniel, non, c'est pardon, Pascal. Oui, je voulais juste rapporter que moi j'étais tout à fait d'accord d'adopter l'approbation de la synthèse dans sa globalité, sauf que je me suis quand même interrogé sur un des points qui apparaissait à l'intérieur, qui pour moi me semblait ressortir de notre mandat, qui concerne la taxation du cannabis légalisé. Le terme légalisé m'a vraiment gêné, en plus de la taxation du cannabis. Je ne pense pas que ce soit à nous d'imposer une légalisation du cannabis. Et surtout, c'est plus un problème de santé publique que d'un problème de... Donc s'il y avait une taxation à faire sur le cannabis, ça serait plus pour rapporter ces sommes récoltées sur la santé que sur l'écologie. Donc j'ai demandé comment on pouvait faire pour accepter quand même cette synthèse de financement et qu'il soit supprimé ou voir comment on pourra faire pour que soit noté que cet article nous choque. Bah. Donc on a déposé un amendement, une opinion minoritaire, ou je ne sais plus comment vous l'appelez maintenant, un avis alternatif. Et donc s'il y a des gens pour qui ça gêne cet article-là, vous pouvez nous rejoindre. Il y a déjà une vingtaine de personnes qui ont donné leur nom, comme quoi ils souhaiteraient que cet article ne figure pas. Bien noté, Pascal. Cette piste, elle a été proposée. On l'a indiqué dans la note. Vous l'avez cotée. Vous avez répondu. Elle apparaît, et elle apparaît graphiquement, comme opinion partagée. Il n'y a pas de majorité dans les 105 qui ont répondu, ni pour le désaccord, ni pour l'accord. Elle a été inscrite comme ça. Déjà à ce stade, c'est déjà un élément de réponse. On va avoir, avant Saïd, peut-être une question de Zoom. On n'oublie pas nos amis qui sont à distance. Au fil. Je suis en tribune. Pardon, Annie. Je t'en prie, je suis un peu partout, Romain. Donc pour cette synthèse de financement, donc déjà je tiens à réitérer mes félicitations aux personnes qui ont contribué, et donc fortement Mariana et toi. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, effectivement c'est mieux que ça soit notifié comme une boîte à idées, donc en mettant plusieurs pistes de financement. Pour revenir sur la légalisation du cannabis, je me mettrai avec les personnes qui mettront une opinion parce que ça n'a pas été du tout abordé lors de la convention, cette histoire de légalisation du cannabis. Et le fait que vous le mettiez en opinion partagée, on a l'impression qu'il y a une mixité. Non, parce que vous avez mélangé les accords et les désaccords. Donc ce n'est pas très clair au niveau de ce point-là. Ça, c'est ce que je voulais notifier. Et le deuxième point de précision, c'est par rapport à la microtrax, qui n'a pas été bien comprise, parce que vous avez mis réduction au lieu de suppression. Donc j'ai demandé, est-ce qu'il était possible de mettre suppression sur le rapport final. La difficulté de la synthèse, c'est que nous, on a pu plus ou moins contribuer entre nous. À l'extérieur, les personnes n'auront pas suffisamment d'éléments pour prendre en main ce qu'on a voulu en dire. Donc je pense qu'on a suffisamment de débats comme ça dans l'opinion publique. Donc c'est une micro-taxe qui viendrait grâce à la suppression des impôts et notamment la TVA. Et ça, c'est important. Donc je demande, est-ce que cette modification peut être apportée. Voilà. Et sinon, je suis pour l'approbation de la synthèse de manière générale. Merci à vous. Merci, Annie. On n'avait plus de questions de Zoom, du coup. C'était une question de Annie déguisée en Zoom. Merci, Annie. Et du coup, la réponse, elle est surtout que vous devez adopter maintenant la note telle qu'elle est. Du coup, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire de grandes modifications maintenant. Saïd. Ouais. Je reviens moi sur le cannabis. C'est pour une question de sécurité aussi, quand on voit ce qui se passe sur Dijon, sur Nice ou sur Marseille, qu'il y a des jeunes de 16 ans ou 18 ans qui meurent pour rien. Il faut arrêter ce massacre. Est-ce que vous avez des prises de parole contre l'adoption de la note, pour l'adoption de la note? Et si c'est Benoît, si tu veux.
Benoît, puis Hubert, qui a déjà pris la parole. Benoît d'abord, puis Hubert. Oui, parce que la réponse m'a... Tu veux prendre la parole, Benoît ? Et après, il y aura Pierre. Après, Pierre. Après Benoît, on ne t'oublie pas. Benoît, Hubert, Pierre. Ouais, je reviens sur la légalisation du cannabis. Donc je comprends vos réactions. Par contre, il y a des gens qui vivent de ça. Voilà. Je crois que depuis 1970 ou 1980, il faudrait regarder. Il y a juste à cette période-là où on a demandé d'interdire le cannabis. Avant, ce n'était pas interdit. Et aujourd'hui, on a laissé une économie parallèle. Et beaucoup de gens, beaucoup de quartiers, beaucoup de cités vivent de ça. Il y a des familles où c'est l'enfant de 12 ans qui a le plus gros salaire dans le foyer. C'est lui qui remplit le frigo grâce à cette économie parallèle. Donc c'est peut-être un danger pour la santé, c'est peut-être un danger pour la sécurité, mais c'est un business, c'est une économie qu'on a laissé marcher parce que ça nous arrangeait bien. Et aujourd'hui, on veut l'arrêter, donc non, hors de question. Merci, Benoît. On va essayer... Allez-y. Je vous propose de se centrer sur la note financement plutôt que les morceaux qui sont dedans. Ça ouvrirait des débats très longs. Hubert, puis Pierre. Moi, j'ai bien compris la réponse qui m'était donnée. Pour autant, elle ne me satisfait pas. Oui. Et donc, ce que je demande, c'est qu'on propose à la Convention de finalement faire passer en annexe et en option alternative celles qui ne passent pas le seuil des 50%, comme nous l'avons fait jusqu'à présent dans tous nos groupes de travail. Donc c'est ça ma demande. Voilà, s'il y en a d'autres qui suivent cette idée de dire on va la mettre en option alternative, merci de le dire, voilà, parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Bien noté, Hubert. Pierre, tu as la parole. Et tu avais une question. Oui, ma question, c'était... Ça marche, hein ? Oui. Bon, ma question concernait l'ordre du jour exact et les modalités de vote. Parce que si ce document financier, dont vous remarquez d'ailleurs la modération, quand même, ce qui fait que les divergences existantes ne sont pas surexploitées et surdimensionnées, bon, ce document financier quand même contient quand même des mesures inacceptables, avec une référence cachée à la taxe carbone, qui revient par la fenêtre, là. Donc, tant que ce genre de mesure ne sera pas dissocié dans le vote, moi, je ne peux pas voter pour, je voterai contre. Du coup, Pierre, je demande la dissociation des points qui posent les plus gros problèmes. Je ne dis pas les petits problèmes, les gros problèmes. Alors, cette question de la dissociation à ce stade ne va pas être possible. La question qui va vous être posée est « Approuvez-vous la note de synthèse relative aux orientations pour intégration dans le rapport ?» Trois possibilités, oui, non ou blanc. Il nous reste une minute et on sera au bout du délai des 15. Très bien. Pierre, on donne une dernière parole à... Moi, dans l'État, je vais voter non, parce que quand j'entends les débats sur le cannabis en ce moment, j'ai peur que ça prenne beaucoup trop d'importance et qu'on devienne... La Convention citoyenne veut légaliser le cannabis. Okay. Donc ça sera non. Merci. Dernière prise de parole de Mélanie. Rapidement. Puis on passe au vote, à l'approbation de la note. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que dans notre mandat, il y a la justice sociale. Donc là, on nous a demandé ce qu'on pensait. Tout le monde a pu s'exprimer. Donc ça reflète ici l'opinion des 150. Donc je trouve que ce rapport, il est très bien. On a eu l'opportunité de nous exprimer. Et il ne faudrait pas cristalliser sur quelques propositions clivantes. Il faut surtout cristalliser sur celles qui ont eu un large consensus. Et c'est ça qui nous représente aujourd'hui. Mais ici, il y a la parole de tout le monde là-dedans.
Je vous propose de passer du coup à l'approbation. On va procéder au vote. Donc, sur l'approbation, approuvez-vous la note de synthèse relative aux orientations de financement pour intégration dans le rapport final ? Le scrutin est ouvert. On n'a plus les petits cartons rouges et les petits cartons verts qu'on avait dans les salles, mais vous nous dites si vous avez un souci. Si jamais vous avez un problème technique, n'hésitez pas à lever la main. Silence, s'il vous plaît, pendant le scrutin. Il reste 40 secondes. Il y a des problèmes techniques. Merci de vous manifester. Encore 15 secondes. Et le scrutin est clos. La synthèse est approuvée à 82,8%. Merci beaucoup. Je passe la parole à Sophie pour reprendre sur la dernière ligne droite. Là. Ah, maintenant, il nous manquait une brique, et pas des moindres. Et donc, on apprécie aussi ce regard que vous avez porté sur le travail de synthèse qu'on fait les animateurs et le groupe d'appui sur ce sujet-là, le comité de gouvernance, c'était pas aisé. Et on a tout maintenant. Donc on rentre dans la partie solennelle avant la remise tout à l'heure à l'exécutif. Donc c'est vraiment un moment pliant. On va passer tous ensemble, donc on va le savourer, même si derrière ces masques, il y a des visages qui sont plus ou moins expressifs. Mais à vos yeux, on voit le travail accompli, on voit les émotions de certains. Voilà, donc c'est un moment important. Je voudrais vous dire que pour nous aussi, les animateurs, ça l'est, mais pas que nous. Il y a quelques éléments qu'on va vous donner quand même, quelques informations importantes avant de procéder à ce vote, notamment les garants, et puis ensuite Laurence Toubiana. Et puis après, on s'y mettra. Les garants d'abord, et puis après Laurence, je crois. Oui, alors c'est une petite information sur la publication du rapport. Certains de vous se sont émus de voir figurer leur nom de famille. On a tout à fait conscience que ça peut être un problème. Vous ne voulez pas être exposé. Donc le principe qui était retenu par le comité de gouvernance, c'était, comme ça a été le cas jusqu'à présent, nous ne connaissons pas vos noms de famille, on avait le prénom et l'initiale du nom. Donc si certains veulent plus faire figurer le nom de famille, ils viennent nous voir ici, on aura la liste et on prendra connaissance de leur nom qui sera publié, et ceux qui ne veulent rien du tout nous le font savoir également.
ou envoyer un message par mail jusqu'à 20h, voilà, parce qu'on jusqu'à a quand même besoin d'imprimer le rapport. Voilà. Très bien, vous avez tous l'adresse des garants. Là, ils sont là. Et c'est important qu'on ait, à défaut, hein, à défaut, si on n'a pas l'information, votre prénom et votre initial apparaîtra. Lingette. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Excuse-moi, on va laisser le déroulé. Yolande, il va falloir respecter ce moment, sans prise de parole, avec le vote et l'expression si besoin. On va mettre tout à l'heure, dehors, on va mettre une échelle d'humeur, vous savez, où vous pourrez mettre aussi des post-it, et puis on va avoir un petit bout d'échange, ne vous inquiétez pas entre nous. Donc on ne va pas se quitter comme ça sans pouvoir s'exprimer sur tous les sujets, que ce soit des sujets de fond ou des sujets de cœur. Mais pour le moment, je donne la parole à Laurence. Bon, on est un peu ému, évidemment, tout le monde. Hein, c'est quand même le dernier moment, mais pas complètement le dernier moment, en fait. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Évidemment, bravo pour la cohérence. Enfin, on en parlera un jour dans un autre contexte, mais j'ai vraiment suivi et compris toute la logique de votre positionnement, de ce que vous avez voté contre pour. Enfin, je trouve ça... En tout cas, je me sens tout à fait prête à défendre tout ce que vous avez fait, dans les détails et dans l'ensemble. Et je voulais vous dire que c'est pas la dernière... Enfin, c'est presque dernier, mais pas tout à fait, puisque le 29 juin, pendant environ une heure et demie, quelque chose comme ça, vous allez donc avoir... au moins une première réponse du président de la République devant vous à l'Élysée, qui sera un moment de travail, un moment d'échange. Et en même temps, alors, pour les choses pratiques, on se retrouvera ici, au CESE, aux alentours de 9h. Vous aurez évidemment les précisions tout à fait pratiques. Je remercie ceux qui reviennent, qui sont capables de venir, de se remobiliser encore et encore et encore. Et en même temps, on donnera, j'espère que l'Élysée est bien équipée pour ça, enfin normalement, on devrait savoir le faire maintenant après tout ce confinement, aussi donner accès à tous ceux qui seront derrière leur écran pour écouter et interagir peut-être par SMS ou texto avec vous. Donc pendant, on démarrera ici le 29 pour aller en bus pour toutes sortes de raisons de sécurité, ça ira plus vite. Et puis après cette conversation sur laquelle je vais revenir, ce premier échange, on reviendra ici parce que, vu le temps que tout ça nous a pris, et c'est bien normal, il va nous manquer quand même un peu de temps de ce bilan. Et là, on a réservé un espace sans empiéter trop sur votre journée pour qu'au retour de ce rendez-vous avec le président de la République, dans un lieu qui vous est maintenant familier, on se retrouve pour tirer le bilan, les leçons. Vous savez... Vous avez réussi, et j'espère qu'on y a contribué, en tout cas, bravo à l'équipe d'animateurs, bravo au CESE, vous avez réussi une première dans un système politique qui est construit à l'inverse de ce que vous avez fait. La démocratie délibérative en France, ce n'est pas la tradition politique. Bon, on fait des révolutions, on coupe des têtes, pas souvent, hein, finalement. Mais en revanche, il y a une hiérarchie très forte dans le système politique, à la fois dans le système pyramidal, les grands corps de l'État, de l'administration, on a un régime très fortement présidentiel. C'est pas un régime, c'est pas, on se fonctionne pas à la Suisse ou à la hollandaise. Hein. Et donc dans des sociétés plus petites déjà, du point de vue démographique, ou plus habituées au débat participatif, bon, ça c'est pas la France. La France c'est pas ça. Et donc c'est énorme l'innovation démocratique qui s'est déroulée aujourd'hui. Et vous avez été très intelligent de dire, et en plus, maintenant qu'on a fait le boulot, à vous de faire le boulot, le gouvernement et les parlementaires. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin du bilan, et c'est pour ça que vous avez plein de choses à dire. Et ça, c'est le 29 après-midi. On va avoir besoin de quelques-uns qui portent votre parole pour que l'échange puisse avoir lieu avec le président de la République. Et donc, on va tirer au sort 6 personnes, dans tout notre groupe, de tous ceux qui peuvent venir, évidemment, pour pouvoir, en tout cas, transmettre les principaux messages. Donc on fera ça tout à l'heure. Enfin, les garants vont organiser ce tirage au sort. Et évidemment, on consultera les personnes tirées au sort pour savoir si elles sont d'accord pour porter la voix de l'exercice. Et c'est bien que
voilà, ça soit des personnes tirées au sort comme on a fait depuis longtemps. Et puis, il y a la question, et j'en finirai là, de la réponse à la réponse du gouvernement. Alors, pourquoi ces deux séquences séparées, c'est que le 29, il faut bien comprendre qu'il y aura des choses que le président devra dire. Il aura été informé par sa ministre, il aura eu le temps quand même de préparer un peu, suffisamment. En même temps, il y a un grand discours qu'il veut faire, vous le savez, il l'a annoncé sur sa dernière partie de son mandat présidentiel, avant encore un autre discours à la Nation le 14 ou le 14 juillet, probablement. Il nous a semblé que la réponse informée, réfléchie, documentée à cette réponse du gouvernement, elle ne pouvait pas se faire dans la foulée, ni du 29 à l'évidence, puisque vous n'aurez pas tous les éléments, ni même les éléments très importants qui vont se décider à la rentrée de septembre, qui vont se matérialiser très, et on vient de parler de financement, très précisément dans le projet de loi de finances pour 2021. Donc notre proposition du comité de gouvernance, c'est d'organiser la réponse à la réponse à la rentrée, une fois que tout ce gouvernement aura fait ce que vous lui avez demandé, c'est-à-dire d'être aussi sérieux que ce que vous avez été. Voilà, c'est ça la séquence que je voulais vous décrire. Donc le 29, à la fois ce premier message et ce débat, et ensuite notre bilan, que vous allez vouloir tirer, tous ensemble. Et là, on sera tous à pied d'égalité, hein. Tous les râleurs, moi, vous, on sera à égalité. Et puis après, on écoute, on s'informe, vous vous informez, on vous tient au courant de tout ce qui se décide. Et après l'été, on se réunit et vous élaborez votre réponse à la réponse. Voilà, merci. Merci beaucoup, Laurence. Alors, bon, ouf, on devrait se revoir. Donc ça va être plus léger. Ce qu'on va faire avant de passer ou de procéder à l'adoption solennelle du rapport final, c'est de vous montrer rapidement les différentes avis alternatifs que vous avez déposés pour vous rassurer aussi sur le fait qu'elles ont bien été consignées et qu'elles seront donc annexées au rapport final. On va vous les montrer, on ne va pas les lire, on n'a absolument pas le temps parce qu'on voudrait pouvoir aussi vous donner un petit mot et procéder sereinement à ce vote. Donc, le nombre d'avis qui ont été déposés, 25. Le nombre d'avis qui ont été retenus comme étant valides, parce que ce référent, vous savez, la règle, c'était qu'il devait se référer pour proposer un avis alternatif, il devait se référer à un avis existant, à une proposition existante. Plusieurs personnes sont venues pour finalement apporter des propositions presque nouvelles. Ça, vous savez tous qu'on a passé, on est passé au travers d'un long processus d'amendement selon les règles et ce n'eût pas été correct vis-à-vis de ceux qui avaient procédé de cette manière-là de rajouter à la dernière minute et de faire figurer ici, à la fin du rapport, ces propositions. Donc, 20 ont été retenues. On va les présenter juste rapidement. Elles portent sur, vous le voyez, on les a classées par objectif. Elles se réfèrent à des mesures, elles ont été consignées et elles ont obtenu un certain nombre de soutiens. Donc ce tableau-là figurera en annexe du rapport final. Pareil pour consommer, je pense qu'on a des slides qui suivent. Pour se loger, produire et travailler, et j'imagine se nourrir, peut-être. Voilà, et se nourrir. Donc vous pourrez prendre connaissance, si vous le souhaitez, venez voir les animateurs, on vous permettra de les lire. Ils ont été affichés, écrits à la main, ils ont été retranscrits, vérifiés, parfois clarifiés pour qu'on comprenne bien quelle était la complémentarité avec la proposition existante. Voilà. Ah, pardon. Et évidemment, il y a eu aussi, merci Louisette, des propositions, enfin des avis alternatifs au sujet de la constitution, du référendum et du financement. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais vous poser solennellement la question. Adoptez-vous, à l'issue de ces 9 mois de travail, de cette dernière session de vote et de réflexion, adoptez-vous le rapport final avec introduction, conclusion, note, annexe et avis alternatif. Le scrutin est ouvert. Alors,
il n'y a pas de s'il débat. S'il vous plaît, silence pendant l'adoption du rapport. Maintenant. Chut, Pierre, excuse-moi. Je vais préciser tout simplement ça. Il n'y a pas de débat, puisque à l'occasion de toutes les parties qui sont citées ici et que vous adoptez maintenant, il y a eu débat, procédure parfois sur j'en parle, il y a eu discussion et vote ce week-end. Donc les débats sont clos à ce stade. Il faut passer à l'acte, il faut adopter ou vous prononcer contre, voilà, ou voter blanc sur le rapport final. Voilà. Après, je vous donne la parole, mais on va procéder à ce vote sans débat sur le fond. Cyril Légarant, on a une demande de prise de parole avant le vote. Je pense que selon... Dans non, le vote est... Est ouvert. Est commencé. Donc dépêchez-vous de voter. De respecter le silence pendant ce dernier vote. Alors, je vois bien qu'on a un carton rouge sur Zoom. Est-ce que c'est pour une question technique? Si c'est une prise de parole, pendant le scrutin, on ne le fait pas. Est-ce qu'on peut avoir un son sur Zoom? Pendant ce temps, vous êtes invité. C'est réglé. Merci. Alors, on ne prend pas la parole pendant le vote. Les garants nous ont demandé de respecter ce moment solennel. Encore 20 secondes. Et le scrutin est clos. Neuf mois de travail, vous trépignez? Vous vous préparez? Vous êtes à fond? Allez-y, au roulement de tambour. Et le rapport final de la première convention pour le climat est adopté à 95%. Tu as un micro, Cyril. Je profite juste d'avoir le crachoir une seconde et de plus de plus être garant, de plus pouvoir vous influencer dans vos votes et tout ça. Bon, ça a été. Je vais essayer de pas trop pleurer, quoi, mais. Calmez-vous. Enfin, bon, voilà. Vous savez, il y a le 12 février 2019, on était dans le bureau d'Emmanuel Macron avec Marion, qui est venue vous voir vendredi matin. C'est pour ça aussi que je voulais qu'elle vienne vous voir.
Quand on est sorti de ce bureau et qu'on se regardait tous les deux dans la cour de l'Élysée, on se disait, mais ça n'arrivera jamais, c'est impossible, jamais ils auront le culot de faire ça. Et 14 mois plus tard, non seulement ça s'est passé, mais en plus, vous avez été incroyable. C'est-à-dire que vous êtes quand même hyper gonflé. Parce que non seulement en 9 mois, vous vous êtes formé, vous avez appris sur le sujet. Vous avez fait des propositions qui sont plus ambitieuses que ce que n'importe quel gouvernement français a jamais fait sur le sujet. Vous avez poussé le vice jusqu'à leur expliquer comment vous leur proposez de le financer et transcrire les mesures légistiquement pour qu'elles puissent aller directement dans la loi. Vous avez fait tout ça, vous imaginez ? Donc maintenant, aux politiques de faire leur travail. Maintenant, vous pouvez être hyper fiers de ce que vous avez remis. Et maintenant, ce qui vous attend, c'est de défendre ce travail-là devant les Français. Ce matin, vous avez encore, une fois été gonflé, c'est que vous avez choisi, contre peut-être le ballon d'essai qui vous était envoyé dans la presse par le président de la République sur le référendum sur certains sujets, de concentrer le référendum sur le terrain juridique, c'est-à-dire sur le cadre de nos sociétés, la Constitution et le crime d'écocide. C'est gonflé, c'est quand même hyper gonflé. Et de remettre tout le reste au Parlement, c'est-à-dire de dire aussi aux parlementaires, on n'est pas contre vous, mais on est en partenariat avec vous, et maintenant on vous passe le ballon. Et regardez ce que des citoyens qui sont formés sont capables de faire. Donc maintenant, allez-y. Ce message, c'est hyper important que vous puissiez aller le transmettre à l'ensemble des Français. Vous allez être sollicités, vous allez avoir la pression, vous allez avoir plein de médias. Soyez fiers et soyez sûrs que nous, on est avec vous. On est derrière vous, on est fiers de vous, vraiment, profondément. Je voudrais faire un dernier truc qui est, c'est un peu la cérémonie des Césars, mais c'est juste remercier. Je voudrais qu'on remercie vraiment profondément Laurence, Thierry, Julien qui ont mené la barque et tenu la baraque pendant ces 9 mois. Je voudrais qu'on les applaudisse vraiment très fort. Alors, tout le comité de gouvernance. Je voudrais qu'on remercie tout le comité de gouvernance qui était avec eux, qui a fait un travail incroyable. Ils se réunissaient toutes les semaines pendant des heures pour essayer de trouver comment piloter ce machin, OVNI. Ce truc qui n'avait jamais existé en France, malgré les difficultés, malgré les pressions, malgré les demandes d'adaptation permanentes que vous leur avez fait subir. Et c'est ça qu'il fallait, puisqu'il fallait que vous soyez libres et autonomes. Ils ont tenu la barque, donc merci de les applaudir aussi extrêmement chaleureusement. J'associe au comité de gouvernance les garantes, Michel et Anne. Je peux vous dire que heureusement qu'elles étaient là, parce que non seulement elles ont une compétence extrême en la matière, mais moi, il fallait que je me morde les lèvres et la langue à longueur de temps pour ne pas vous dire ce que je pensais de tout ce que vous étiez en train de vous dire. Et ça n'a pas été facile. Je voudrais qu'on remercie énormément le CESE, le président du CESE qui nous a accueillis, qui a aussi pris un risque, qui a eu le courage de faire en sorte que cette dernière session se fasse en présentiel. Toutes les équipes du CESE qui ont organisé ça de main de maître, qui là aussi se sont adaptées, y compris dans des circonstances comme celle-là, où c'était quand même pas simple avec ces problématiques sanitaires. Tous les agents du personnel, tous les agents d'entretien, toutes les personnes qui vous ont fait à manger, qui vous ont apporté à manger, toutes celles qui ont fait que ce travail a pu se faire dans les meilleures conditions, applaudissons-les très chaleureusement.
ceux avec qui vous avez travaillé main dans la main, qui eux aussi ont bien galéré et qui ont fait aussi un travail extraordinaire, ce sont les animateurs. Venez vers là. Alors, montez, ouais. Je vais faire monter sur l'estrade pour que les voitures. Là. Montez là. Montez là, parce que sinon, on vous verra pas. On vous verra pas. Alors. Tous nos animateurs, vous pouvez venir sur l'estrade. Alors, juste, on s'est absolument pas coordonnés ensemble pour prendre la parole et vous remercier tous, mais je pense que pour nous, à titre professionnel évidemment, mais aussi à titre personnel, ce qu'on a vécu était unique. On sait bien que voilà, le moment, d'un point de vue démocratique, qui est le travail qu'on fait au quotidien depuis des années, était exceptionnel. On savait qu'on allait à la fois construire et puis surtout mettre à l'épreuve des tas de choses qu'on avait besoin, je pense, de faire pour cette démocratie et envie de faire. On est une intelligence collective au sein de ce groupe qui est extraordinaire. Il y a des personnes qui sont venues qui n'ont pas participé jusqu'à la fin à cette expérience, mais qui ont passé un moment avec vous. Donc on est bien plus que les 16 qui sont là aujourd'hui. Et quand il a fallu qu'on relève des défis à chaque fois, avec vous et grâce au comité de gouvernance qui nous disait « mais si, vous allez y arriver, et puis ça, ça se fait », ben on l'a fait. Voilà, donc on vous remercie tous parce que vous nous avez challengés, vous nous avez aidés, et puis vous l'avez fait. Et en fait, voilà, c'était vous les essentiels protagonistes de ce travail, et on a percé un moment absolument génial. Donc merci à vous tous. Bravo. Alors, je voudrais faire deux derniers remerciements et qui ne sont pas des moindres. Je voudrais qu'on remercie les invisibles, entre guillemets, qui ont travaillé avec les coprésidents, Clara, Lise, Romain, mais aussi Quentin. Qui ont fait un travail absolument remarquable. Et le dernier, et après je m'arrête, j'aimerais qu'on remercie le collectif qui a permis qu'on soit tous là. C'est-à-dire qu'avant qu'on arrive comme deux Indiens en goguette à l'Élysée avec Marion, en fait cette idée a été élaborée par un collectif qui s'appelle les Gilets Citoyens, qui, au moment de la crise des Gilets jaunes, a eu cette réflexion de se dire si on veut faire en sorte que les sujets de justice sociale, que les sujets climatiques aboutissent dans notre société et que ça ne soit pas en permanence dans l'affrontement, on a besoin d'aller vers ces modalités de démocratie délibérative, d'assemblée tirée au sort. Donc Laurence était dedans, Loïc était dedans, moi aussi. Et je voudrais, et je voudrais adresser un remerciement. C'est plus qu'un remerciement, c'est un motif d'admiration à une personne en particulier qui est Mathilde et qui est celle qui s'est battue le plus pour faire en sorte que cette initiative arrive depuis le début. Déjà, je ne vous avais jamais vu d'en bas.
Vous êtes vachement beau aussi, vu d'ici. Non, en vrai, plus... Je sais que je vais réussir à le dire, mais... La semaine dernière, j'ai eu 30 ans. Et je l'ai pas... Je l'ai pas fêté parce que le jour où je fête mes 30 ans, je vais pouvoir prendre mes amis dans mes bras et que j'ai pensé au plus fragile d'entre vous, que j'avais pas envie de choper le Covid et de vous le refiler ce week-end. Mais en vrai, j'ai même plus envie de le fêter, quoi. Enfin, vous êtes juste le plus beau cadeau de pour mes 30 piges, quoi. Merci. Et un énorme merci à Cyril, Thierry, Laurence, tous les membres du COGOUF d'avoir osé participer à cette aventure un peu folle, parce qu'au début, c'était inédit, donc un peu fou, et ils ont tous osé. Le président de la République aussi a osé. Et vous avez osé, non seulement de participer, y compris ceux qui ont pris ça pour une blague au début, mais vous avez osé aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le fait que vous soyez aussi nombreux à ce dernier week-end, c'est déjà rien qu'en soi, ça, une réussite. Le fait que l'esprit de groupe, il existe, et le fait que vous avez rendu quelque chose qui est ambitieux. Où moi, je me souviens au tout début, quand mes potes écolos, nos potes écolos nous ont regardés, pour certains, en disant « Mais vous allez nous faire perdre un temps fou avec ce truc. » On avait un peu l'impression de prêcher dans le désert, et je trouve que vous avez fait une preuve magnifique que quand on fait confiance aux citoyens et qu'on les... prend pas pour des gens stupides, mais qu'on leur donne une bonne qualité d'information, une bonne qualité de délibération, on peut faire un bond en avant pour l'écologie, pour notre démocratie, et les deux sauveront ensemble. Ce que dit souvent Thierry, ça sauvera ensemble, et donc j'espère que c'est que le début. Il va falloir continuer, mais clairement, je serai derrière vous, avec vous, je sais pas trop quoi, et je vous inviterai à mon anniversaire, du coup. Il me revient d'abord, on n'a pas cité tous les membres du comité de gouvernance, mais ils ont été évoqués. Il faut les remercier parce que le comité de gouvernance, ce n'est pas que Julien, Laurence, Mathilde, moi. C'est Ophélie, c'est Léo, c'est Dominique, etc. Ils ont été cités. Quentin qui n'a pas été remercié. Quentin Sauzé, qui fait partie de nos conseillers, qui est là avec un très joli masque. Voilà. Bon, moi, à titre personnel, je ne vais pas rajouter, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'émotions. Ça a été beaucoup d'émotions, la convention, beaucoup. Moi, il se trouve que, puisqu'on peut se dire des choses personnelles aujourd'hui, j'ai perdu quelqu'un de très cher au début de la convention, certains le savent. J'ai pas eu le temps d'avoir de la peine. Mais j'ai bien vécu cette période parce que je savais que pour cette personne, ce que vous étiez en train de réaliser, ça aurait été absolument magnifique. Donc voilà, je vais avoir le temps de pleurer. Ça a été une très belle... Bon, allez, il faut reprendre le travail. On attend la ministre. Je vais vous passer Laurence. Oui, il faut qu'on se calme, là. Parce qu'ils vont penser que c'est un meeting. Alors, c'est pas un meeting. Et je vais vous dire juste un truc. Cette petite dame-là, cette petite jeune femme, ça a été mon étudiante. Et je peux vous dire, je suis assez fière. Alors... Et elle m'a beaucoup appris, comme vous l'avez vu. Hein. Bon. Bon, alors, le boulot n'est pas fini. Mais ça, Gilles Laurent sait bien faire ça, pour qu'on accueille dignement le représentant du gouvernement, à qui vous allez donner votre travail. Il me revient le rôle de vous faire redescendre un peu sur terre. Mais quand même, je pense que c'est une deuxième historique aujourd'hui. La première historique, c'est la fin de la première convention citoyenne dans ces murs. Je pense que dans ces murs, il n'y a jamais eu avant, mais... les gens du CESE m'affirmeront si c'est le cas. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de bruit dans cet hémicycle que cet après-midi. Et je crois qu'ils ne s'attendaient pas à avoir des Marseillais qui tapent sur les pupitres aussi fort
Ceci étant dit, nous avons une pause de très exactement 13 minutes. Parce que, comme vous le savez, Elisabeth Borne est ministre. Elle a donc un emploi du temps de ministre qu'il faut que nous respections. Et donc, il faut que nous soyons ici à 15h30 pour lui présenter le résultat de vos travaux que vous venez d'adopter magnifiquement. Merci à tous d'être là à 15h30 tapante. How important you were to me. The day I almost lost you. I want to start it all over again and learn to love you the way we all deserve to be. Loving you is to think of your needs too. Is loving making the effort to be attentive to you, to protect you. This effort then becomes easy. It becomes a pleasure to touch you, to lay my body on you, to feel your warmth, to help you grow, to be fed by you, to stop intoxicating and wanting to control you, to resolve problems together, to enjoy each other in every moment we have. Make plans for the future, to stop taking you for granted, to love you. To love you.
Alexandra Mick. Bien. Chers amis, nous allons donc entamer cette dernière partie de l'après-midi, cette clôture officielle de la Convention citoyenne avec la remise du rapport à l'exécutif. Et en plus, j'ai le droit d'enlever mon masque, c'est génial. Donc avant que nous commencions, je vous rappelle les règles sanitaires. Merci de rester masqué en hémicycle quand vous n'êtes pas dans un moment de prise de parole et de bien garder une place libre entre chaque personne. Donc, je crois que ce n'est pas sans émotion que nous allons donc clôturer cette séquence avec la remise officielle du rapport final de la Convention citoyenne pour le climat à notre gouvernement, en l'occurrence qui est représenté par Madame la ministre Elisabeth Borne, qui nous a déjà fait plusieurs fois le plaisir de venir vous rencontrer. Mais avant de vous laisser la parole et de vous présenter officiellement ce rapport par la voix des citoyens, nous allons finir cette convention comme nous l'avons commencé, avec le président du CESE, M. Patrick Bernasconi, qui était venu ouvrir cette convention il y a 9 mois. M. Bernasconi, à vous les micros. Merci. Madame la ministre, chères citoyennes et citoyens, merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui, 9 mois après le début de notre aventure commune. Une aventure commune commencée en septembre-octobre 2019, ici au Conseil économique, social et environnemental, que vous connaissez un peu plus, lieu des organisations, associations, ONG, auxquelles des dizaines de millions de Français adhèrent. Cette Assemblée a été fière de vous accueillir. La mission que vous avez acceptée, qui nécessitait de la part de chacun un investissement long et complexe, n'était pas facile. Et vous l'avez accompli. Vous l'avez accompli malgré les difficultés du temps, malgré les difficultés du sujet, car c'est un sujet difficile, très difficile. Et vous l'avez réussi. C'est là un acte fondateur. Je ne vais pas vous parler du sujet de vos travaux, de vos propositions. Elles sont finalisées, vous les avez votées, vous allez les transmettre dans quelques minutes à Madame la ministre. Non, je désire vous parler en quelques mots de démocratie. Vous avez démontré qu'il était possible que des citoyens tirés au sort, dans la plus grande impartialité, puissent travailler, élaborer ensemble afin d'éclairer les pouvoirs publics. Vous avez mené à bien la première convention citoyenne de ce pays. Et je suis heureux d'en avoir, avec d'autres, proposé le principe. Je suis heureux que ce soit le CESE qui vous ait accueilli, qui vous ait permis de mener à bien cette formidable aventure. Et j'en profite pour remercier les agents du Conseil qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que vous vous sentiez ici, chez vous. Merci. Merci pour eux. Pour moi, cette aventure n'est pas sans lendemain. Vos propositions, demain, vont prendre la place dans la vie des Français. Que ce soit par le biais du Parlement, par l'action de l'exécutif, ou encore par la voie peut-être d'un référendum. Vos propositions devront être suivies d'effets, et cela se fera dans le temps, et donc nécessitera votre vigilance et votre implication. Pour cela, comme nous l'avons été durant tous les 6 mois, cette Assemblée sera à votre disposition pour vous donner les moyens de suivre la bonne prise en compte de vos propositions. Au-delà de vos travaux sur la réduction d'émissions des gaz à effet de serre, cet exercice est fondamental pour le renforcement de notre démocratie. Depuis 30 ans, le citoyen cherche à prendre sa place dans la vie politique. Le citoyen désire participer. Aujourd'hui, quelle est la ville qui n'intègre pas la participation citoyenne ? Je n'en connais pas. Or, au niveau national, nous n'arrivions toujours pas à le faire. Vous venez de démontrer que cela est possible. Vous avez montré la voie.
Pour ma part, je crois que, comme tout objet vivant, la démocratie se doit de grandir, d'évoluer, de muer. D'ailleurs, c'est ce que vous venez de faire en proposant de demander un référendum pour modifier le préambule et l'article 1 de notre Constitution. C'est pourquoi j'ai proposé que désormais nous puissions faire appel à tous les instruments de participation citoyenne. Par exemple, le CESE, aujourd'hui, travaille à établir une synthèse de ce que des milliers de citoyens ont pu dire et écrire durant le confinement dans le cadre des plateformes collaboratives sur ce qu'on a appelé le jour d'après, et d'en remettre les conclusions au président de la République. Ou encore que nous puissions organiser d'autres conventions, quand il le faut, sur des sujets qui le méritent, comme celui que vous avez traité. J'espère et je souhaite que nous allions plus loin en organisant des consultations régionales, alliant société civile organisée, mais aussi groupes de citoyens tirés au sort. Depuis 4 ans, nous travaillons, nous faisons en sorte que nos travaux soient davantage, plus intégrés par la voix des citoyens, par l'intermédiaire de la participation citoyenne. Et demain, l'évolution de nos institutions permettra à cette Assemblée de participer à la rénovation démocratique par son ouverture, reconnue par la loi, aux citoyens. Notre démocratie est ancienne. Comme je vous le disais, c'est un objet vivant, et comme tout objet vivant, c'est un objet fragile, mais c'est le meilleur des systèmes. Notre démocratie doit être renforcée, car nous sentons toutes les menaces qui pèsent aujourd'hui dans le monde sur les démocraties. Nous devons ensemble construire un système vertueux où, entre deux élections, organisation de la société civile et participation citoyenne éclairent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans une démocratie modernisée et respectueuse des rôles de chacun. Enfin, je voudrais remercier très sincèrement Julien Blanchet, le rapporteur général de la Convention, qui a rendu possible cette innovation politique majeure. Remercier aussi les conseillers du Conseil qui ont travaillé à vos côtés tout au long de cette belle et longue aventure, et bien entendu Laurence et Thierry du comité de gouvernance et qui l'ont co-présidé durant ces neuf mois. Bravo donc à toutes et à tous pour ce que vous avez fait. Malgré les pronostics de certains, malgré les embûches, vous avez ouvert un chemin que d'autres emprunteront demain. Vous pouvez en être très fiers. Je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Julien Blanchet. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, bon, on y est, c'est beau de voir que quand le CESE a proposé cette convention, une bonne idée, on ne l'a jamais seul, Cyril le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'était un peu original. Et puis, Madame la Ministre, votre exercice ici, il est aussi un peu original aujourd'hui, parce que souvent, vous intervenez, on l'a caché, mais il y a marqué normalement « banc du gouvernement » ici, vous intervenez pour présenter une politique publique. Eh bien là, ce sont des citoyens qui vont vous dire la politique publique qu'ils ont envie de mettre en œuvre. Aujourd'hui, des citoyens tirés au sort vous disent ce qu'ils attendent comme politique publique. Alors on l'a dit, les mots ne manquent pas, unique, inédit, révolutionnaire. Je vais m'arrêter sur ce mot. Parce qu'il y a de nombreuses révolutions dans cet exercice. Les citoyens sont par principe capables de participer à la construction d'une politique publique et le tirage au sort en est l'outil. La preuve est faite. Il est possible de faire entrer la parole citoyenne dans les institutions, dans 7 institutions. La preuve est faite. Il est possible, sur des grandes questions de société, comme ce qui relève de la Constitution, de l'écocide, eh bien, de révolutionner notre pratique référendaire en France qui ne peut se résumer à un face-à-face entre le chef de l'État et le peuple. Cette fois, à vous d'en faire la preuve. Alors, 3 révolutions institutionnelles, mais il y en a une qui me semble encore plus profonde. C'est assumer face à un État parfois qualifié comme technocratique que la politique, oui, elle est aussi faite de récits de vie et d'émotions.
Prendre quelques exemples. Jocelyn, 17 ans, de Strasbourg, qui, je crois, veut renforcer son étude des dispositifs politiques en France. Nicolas, qui disait que c'était compliqué parfois de faire comprendre ce qu'était la Convention citoyenne. Félicitations et bonne continuation dans ton IUT Tech Deco. Ils ont bien eu raison de te reprendre. Guillaume, qui ne savait pas s'il allait pouvoir passer son concours de CPE et en même temps assister à une session, puisqu'il est de La Réunion. Et donc, comment il allait faire? Et donc, il a pu passer son concours à Paris. Brigitte, le sourire d'une jeune retraitée. William, avec un arbre dans les jardins du CESE, pour Oscar, son fils. Françoise, qui animait les pauses régulièrement des webinaires. Ça faisait du bien à tout le monde. Benoît et Victor, qui ont passé de longs moments à vouloir modifier les questions de la Constitution. Muriel, entre la France et l'Allemagne. Mélanie, enfin, Madame le maire, maintenant. Madame la maire, pardon, quelle erreur. Donc, Félix. Une autre Muriel aussi, nos heures au téléphone. Ces histoires, il y en a 150. Et, je ne vais pas faire la liste, mais elles ont toutes leurs valeurs. Elles ont une incroyable diversité et elles ont leurs valeurs dans notre système démocratique. Ces récits de vie, et c'est aussi ça, la vie de la cité, la vraie politique, pendant 9 mois, ont fondé une histoire commune. Une histoire commune dans un parcours collectif pour dire dans quel monde ils veulent vivre. Et comme l'a dit Mathieu vendredi matin en ouverture, en s'inscrivant pour les générations futures. Alors de l'émotion, oui, aujourd'hui sans doute parfois encore plus, mais c'est aussi ça la Convention. Et alors, notre démocratie, c'est pas un être insensible et froid, j'ai pu consulter les réseaux sociaux, mais c'est pas ça. Les citoyens sur les questions climat ont demandé des changements d'échelle sur l'ambition, sur le temps, ils vont vous présenter les éléments. Ce matin, ils ont aussi indiqué ce qu'ils voulaient voir passer au référendum. Et oui, je crois que c'est à signaler, ils estiment pouvoir transmettre aux parlementaires une partie importante de leur production. Mais attention, sur cette convention comme sur les suivantes, ils veulent pouvoir délibérer, proposer et ensuite juger leurs représentants sur pièce. Alors je crois qu'aujourd'hui, nous avons augmenté la démocratie, aussi la démocratie représentative, la démocratie sociale et bien sûr la démocratie participative. Une petite vidéo pour vous montrer le parcours de ces citoyens. Alors, on aimerait savoir parmi vous qui, pour venir, s'est levé entre 3h et 4h du matin. Levez-vous, ceux qui levez-vous, sont concernés. Levez-vous. Donc on a. Vous devez être bien fatigué d'ailleurs, mais levez-vous deux, quand même. 3, 4, 5 personnes. Bravo. Bravo à vous. Vous aurez droit à double dessert ce soir. Et donc, bon courage pour rester bien en forme jusqu'à ce soir, mais on va y contribuer avec vous. Parmi vous, qui s'est levé entre, est parti de chez lui entre 5h et 7h du matin? Ah ouais. C'est bien aussi, bravo. Qui est parti de chez lui entre 7h et 9h? Facile. Merci. Et on va passer à ceux qui sont partis de chez eux entre 11h et midi. Donc on va dire ceux qui sont vraiment à côté. Voilà, il y a des locaux de l'étape. Merci. Et puis j'ai encore une question. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont partis de chez eux hier? Ah, hier, merci. Oui. Et, bravo. Est-ce qu'on peut vous demander d'où vous venez? Peut-être, monsieur, mettez votre micro et dites-nous d'où vous venez. Faut que vous appuyiez sur un petit bouton qui doit. Voilà. Oui. Allez-y, super, c'était bon avant, oui. Je viens de Saint-Gaudens. Saint-Gaudens, oui, c'est en Haute-Garonne, c'est ça? Oui, Haute-Garonne. Très bien, d'accord. Merci. D'autres personnes qui se sont levées, voilà, ici? La Réunion. Vous venez de La Réunion, merci. Et je vais vous demander encore un exercice, j'aurais dû vous le dire avant, mais quand vous prenez la parole, dites juste votre prénom, comme ça on finira peut-être par connaître 150 prénoms, c'est un défi pour tout le monde, pour nous tous. Donc pour le prochain, son prénom et son lieu, j'ai vu madame. Donc Emma, et je viens de Toulouse. De Toulouse aussi, d'accord. Merci. Alors on a maintenant une autre question pour continuer à faire connaissance avec vous. Nous aimerions savoir qui parmi vous à moins de 25 ans. Merci.
Et alors, j'ai une sous-question, mais parmi vous, qui a moins de 18 ans? Il y a des mineurs parmi nous. Merci. Un grand merci à vous d'avoir accepté. Ça tenait vraiment à cœur de tout le comité de gouvernance et on partageait leur attention à ce qu'il y ait au sein de cette convention aussi des personnes qui ne sont pas encore majeures au regard de la loi, mais qui sont sans doute qui sont très concernées et qui ont été très actives, cette génération, sur les questions de changement climatique ces dernières années. Donc, merci beaucoup d'avoir fait cet effort de venir cette expérience avec nous. Qui a entre 25 et 26, on va dire, et 35 ans? D'accord. Une bonne quinzaine de personnes. Merci à vous aussi. Qui a 36 à 50 ans? Bravo. Merci. Une petite vingtaine de personnes aussi. Qui a 51 ans à 65 ans? Vous inquiétez pas, ça se voit pas. Hein. Et parmi vous, qui a plus de 65 ans? Merci. Bravo. Donc c'est important que toutes les générations soient bien représentées. Alors maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Parmi vous, quand vous avez été appelé pour participer, quand vous avez été tiré au sort, qui a parmi vous accepté tout de suite de participer? Wow. Photo, s'il vous plaît, photo. C'est extrêmement impressionnant ce que nous racontait le comité de gouvernance, c'est qu'il y a plus d'un tiers des personnes, dans les personnes qui ont été tirées au sort, qui ont dit dès l'appel qu'ils étaient intéressés. C'est énorme. Nous avons eu l'occasion de vivre d'autres tirages au sort pour des démarches de délibération démocratique. Là, c'est un taux absolument fabuleux. Donc, on voit que ce sujet tient à cœur des Français et vous tient à cœur à vous. Qui parmi vous a hésité à venir quand vous avez été tiré au sort? Très bien. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous, vous nous expliquez le motif d'hésitation? Oui, allez-y. Je vous en prie, monsieur. Micro. Le monsieur disait des conditions familiales. Allez-y. Super. Pour ma part, c'était des conditions familiales, parce que je devais d'abord en parler à ma famille, en fait, par rapport au nombre de sessions qu'il y avait, pour pouvoir m'absenter ces week-ends-là. Et oui, s'organiser, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres motifs d'hésitation? Oui, le monsieur derrière. Oui, mademoiselle. Pour ma part, et votre prénom, excusez-moi, on a dit qu'on disait les prénoms maintenant. Lionel. Merci Lionel. Moi c'est Marine, et pour ma part c'est à cause des études du coup. Pour savoir si je pouvais concilier les études et venir en même temps à la convention. D'accord. Et monsieur, derrière? Bonjour, moi c'est Gilles. Moi c'est le numéro de téléphone qui m'a inquiété. Non mais je blague pas, 5 numéros, ça, je me suis dit c'est une farce. Ah oui, oui, c'est un numéro pas entier, donc vous êtes voilà. Interrogé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres motifs? Oui madame? Oui, alors moi, c'est un peu comme vous. J'ai répondu une première fois. J'ai conversé avec la personne qui m'avait appelée. Et puis, j'ai eu un doute d'un seul coup dans la conversation. Donc, j'ai raccroché. C'est très mal poli, je sais. Enfin, j'avais un autre téléphone qui sonnait en même temps. Donc, voilà. Et en fait, cette personne m'a rappelé au bout de quelques jours. Mais entre-temps, j'étais allée voir sur Internet le fameux numéro à 4-5 chiffres, je ne sais plus. Et là, on me disait que c'était n'importe quoi, que c'était de l'arnaque, qu'il y avait sûrement un truc à vendre. Bon, puis voilà. Et en fait, on m'a rappelé. Et là, on a discuté. Enfin, j'ai raconté ce que j'avais fait et que j'allais voir sur Internet. Et finalement, la personne m'a convaincue parce que bon, elle m'a expliqué vraiment ce qui se passait. Et là, j'ai compris le sérieux. Et en fait, j'étais super intéressée par le sujet, mais bon, voilà. Merci, c'est vrai que c'est pas commun d'être démarché comme ça. Merci. Parmi vous, qui a déjà participé à une réunion citoyenne sur un sujet politique? Une réunion au conseil de quartier, une réunion publique Ok. Ah, il faut le temps que ça remonte au bon endroit quand même. À une réunion sur un sujet d'intérêt collectif, c'est ça que je veux dire par là, pas politique, c'est pas partisan, effectivement. Non, on parlait pas du congrès, du parti machin ou du parti bidule. Hein, Donc un tout petit quart d'entre vous, pour nous c'est aussi important, c'est aussi à ça que ça sert le tirage au sort, c'est à permettre de toucher des citoyens qui n'auraient pas forcément spontanément eu connaissance
d'une démarche participative sur un sujet n'aurait pas osé pousser la porte. Donc, on est ravis de savoir que parmi vous, il y a des gens pour qui c'est la première expérience de ce type. Et puis, bien sûr, bienvenue aux autres, évidemment, aussi. Alors, qui a accepté avant tout par curiosité ? Levez-vous, vous devez venir plutôt par curiosité. Vous avez plusieurs fois, vous allez voir, il y a d'autres questions. Alors, entre autres, la curiosité, vous avez vous levez plusieurs fois, ça fait un peu de gin en même temps, curiosité ? Allez, merci. Qui est venu pour, avant tout par rapport au sujet, l'urgence d'agir sur les questions climatiques ? Ah oui. Qui est venu pour... C'était donc, comme disait quelqu'un qu'on connaît un peu, la séquence émotion. Quand vous avez fait connaissance, maintenant il va falloir qu'on se quitte quand même, mais on ne va pas se quitter d'abord sans que vous ayez rendu vos travaux à Madame la Ministre, et non plus sans que vous ayez fait un petit bilan très très rapide, un peu sur le même mode. Qui a calculé le nombre d'heures de travail que vous avez fait depuis le 4 octobre 2019. Personne. Si, personne ne se lève. Tant pis, je vais vous aider. Qui pense avoir consacré ici plus de 300 heures ? Ici. Ah, levez-vous quand vous pensez quelque chose. Plus de 300 heures, pas mal. Qui pense y avoir consacré plus de 200 heures ? Non, mais vous comptez pas tous les trois, là. J'aurai des questions spéciales peut-être pour vous tout à l'heure. Alors, qui pense avoir passé plus de 200 heures ? J'ai fait un calcul très rapide. Nous avons passé ensemble, ici à l'hémicycle et dans les deux grands webinaires de la session 6 bis et de la session du 30 et 31 mai, 190 heures ensemble. Alors on va passer au travail personnel maintenant. Là vous pourrez vous lever si vous voulez. Qui a passé plus de 15 heures par semaine à travailler sur la Convention citoyenne depuis le début ? Bravo, applaudissements. Allez, levez-vous. Ah, là, vous avez le droit. Là, vous avez le droit. Qui pense avoir passé plus de 10 heures par semaine ? Bravo. Je vous dirai ce que ça fait après. Hein. Et qui pense avoir passé plus de 5 heures par semaine, en moyenne, depuis le début de la convention ? Pas mal. Si vous avez passé plus de 15 heures, vous avez passé plus de 540 heures depuis le début. 360 heures pour ceux qui ont passé 10 heures et 180 pour ceux qui ont passé 5 heures. Bravo. J'avais, je crois, terminé la séquence précédente de Brise-Glace le 4 octobre en disant « ces gens sont sérieux ». Je pense que la preuve est faite que ces gens sont sérieux et on va aussi vous le prouver, Madame la Ministre, en vous remettant un petit feuillet tout à l'heure, vous verrez. C'est pas très lourd. Qui a eu envie de claquer la porte de la Convention citoyenne, mais ne l'a pas fait ? Héloïse ! Samir ! Daniel ! Benoît ! Non. Eh bien, si, Muriel, Françoise, Agnès, Fabien, je crois, Mathieu, Denis... Bon, ça fait pas tant que ça, finalement. Et vous êtes restés, bravo, merci d'être restés jusqu'au bout. Et alors, dernière question, qui a rencontré quelqu'un à la convention avec qui il aurait pensé ne jamais pouvoir parler ? Soyons sérieux. Bravo à tous. Ça a été effectivement un merveilleux moment de mélange, de rencontre, d'échange, d'argumentation, de confrontation, de
mobilisation intellectuelle et, comme le disait quelqu'un il y a quelques jours, ou enfin il y a 48 heures, d'intelligence collective. Félicitations, vous avez fait un sacré, sacré, sacré boulot. On va maintenant, Madame la ministre, vous en rendre compte. On va désormais passer à la présentation des différents éléments du rapport. Avant de commencer par l'introduction avec Patricia, je vais demander à Guillaume de se déplacer, Alexia de se nourrir, Yves pour produire et travailler, Jocelyn pour consommer, Corinne pour se loger, Kizito pour constitution, Guy pour le référendum et Zaya de bien vouloir se positionner à côté de l'estrade. Merci. Et donc on va démarrer par toi, Patricia, sur l'introduction. Ah, alors je vais t'apporter mon micro en le désinfectant. On t'apporte un micro tout de suite. Vas-y. Madame la ministre, bonjour. Rebonjour à tout le monde. Citoyennes et citoyens libres, indépendants de tout parti ou influence, représentatifs de la société, nous sommes 150 femmes et hommes âgés de 16 à 80 ans, de toutes origines et professions. Nous avons été sélectionnés par tirage au sort selon une génération aléatoire de numéros de téléphone, sans nous être portés volontaires préalablement, pour être membres de la Convention citoyenne pour le climat, afin que nous formions une image de la société française capable de vous représenter. Nous ne sommes pas des experts, nous sommes des citoyens comme tous les autres, représentatifs de la diversité de la société. Nous avons le pouvoir de décider et de faire changer les choses, pouvoir que nous avons exercé avec une attention particulière pour les plus fragiles et ce, dans un esprit de justice sociale. La Convention citoyenne pour le climat est la première expérience démocratique d'ampleur faisant appel au tirage au sort et donc reconnaissant la capacité des citoyens, ni spécialistes, ni militants, de s'exprimer sur un sujet d'avenir majeur. Nous avons vécu ensemble pendant 9 mois une expérience humaine inédite et intense qui nous a amenés à prendre conscience de l'impérieuse nécessité d'un changement profond de l'organisation de notre société et de nos façons de vivre. Pour répondre à la question qui nous a été posée, comment réduire d'au moins 40% par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans le respect de la justice sociale. Nous avons échangé librement dans la pluralité de nos opinions. Nous nous sommes nourris d'échanges avec des experts et des représentants économiques, associatifs et publics, afin d'en être capables de rédiger des mesures concrètes en connaissance de cause et en toute indépendance. Nous avons appris à être plus attentifs et plus tolérants aux avis de chacun, dans le respect de notre diversité. Se mettre d'accord a parfois été compliqué, du fait de nos différences d'opinion, de mode de vie, de culture, d'origine sociale. Cette convention a été une leçon de vie démocratique et participative. Nous avons travaillé intensément, avec conviction, envie et un sentiment d'urgence à faire face au climat pour parvenir à des propositions communes. En dehors des sessions de travail qui nous ont réunis, beaucoup d'entre nous se sont fortement investis dans leur territoire pour partager notre mission, notre prise de conscience et nos ambitions. Nous avons souhaité le faire car c'est à nous de faire vivre et de protéger l'endroit où nous vivons. Nous avons ainsi écouté nos amis, voisins, concitoyens, associations, élus et institutions locales et nationales. Ces rencontres nous ont permis de recueillir toute l'expérience
et tous les ressentis de nos interlocuteurs et ainsi confronter nos réflexions collectives à la réalité quotidienne, mais aussi aux enjeux économiques, géographiques, politiques et sociaux de chaque territoire. La mixité qui nous caractérise, ainsi que les échanges lors des sessions et toutes les rencontres en dehors des sessions nous ont permis d'être plus justes et pertinents dans notre travail. Nos départements d'outre-mer n'ont pas été oubliés. Plusieurs citoyens ultramarins présents au sein de la Convention ont eu à cœur de faire entendre leur vécu et leurs attentes. Cette préoccupation de ne pas raisonner uniquement en métropolitain est partagée par les 150 membres qui entendent le sentiment très fort d'éloignement des décisions politiques prises à Paris et de faible reconnaissance de l'importance des territoires ultramarins dans les choix publics. C'est pourquoi les mesures proposées ont été revues pour éviter tout effet pervers pour les territoires ultramarins. Nous considérons que les territoires ultramarins peuvent être un laboratoire incroyable en termes d'autonomie énergétique, de pratiques agricoles nouvelles ou dans le bâtiment. Ce que nous avons vécu est une véritable prise de conscience de l'urgence climatique. La Terre peut vivre sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans elle. À titre d'exemple, les températures caniculaires supérieures à 50 degrés à l'ombre, qui vont devenir de plus en plus fréquentes, seront mortelles dans certaines régions du monde où l'air saturé en humidité interdit toute évaporation de la sueur. Ouvrons donc les yeux et bougeons-nous. Nous ne sommes pas uniquement devant le choix d'une politique économique pour faire face à une crise économique, sociale et environnementale. Nous devons agir sans plus attendre pour stopper le réchauffement et le dérèglement climatique qui menacent la survie de l'humanité. Si nous ne rattrapons pas le retard pris, beaucoup de régions du globe deviendront inhabitables du fait de la montée des eaux ou des climats trop arides. C'est une question de vie ou de mort. Nous ne sommes pas en compétition avec les élus ou autres acteurs de la société française. Nous devons tous changer nos comportements en profondeur pour laisser à nos enfants et petits-enfants une planète viable. Il faut agir au plus vite et plus fort que ce qui a été fait jusque-là, même si des initiatives superbes ont déjà été mises en œuvre, notamment par des collectivités territoriales et des associations. Les efforts ne pourront pas venir uniquement des autres. Citoyens, pouvoirs publics, acteurs économiques, ONG, il est nécessaire que nous soyons tous solidaires face à l'urgence climatique en faisant de la justice sociale un des moteurs de la réflexion. Nous attendons du gouvernement et des pouvoirs publics une prise en compte immédiate de nos propositions permettant une accélération de la transition écologique, notamment dans la stratégie de sortie de crise, en faisant du climat la priorité des politiques publiques, en évaluant les résultats et en sanctionnant les écarts. Le 21e siècle peut être le nouveau siècle des Lumières par une posture de politique ambitieuse, vertueuse et démocratique. Cela va exiger de considérer l'enjeu écologique comme un enjeu économique au sens classique et restrictif du PIB. Éveiller à ne laisser aucun citoyen de côté, notamment les plus pauvres. Nous invitons les acteurs économiques à mener une action plus volontariste en faveur de la transition écologique, en faisant de cette problématique une opportunité pour repenser en profondeur nos modes de production et de consommation et favoriser une meilleure distribution des richesses. L'urgence climatique nous impose des décisions difficiles mais indispensables. Soyons inventifs. Nous demandons aux entreprises françaises qui ont des filiales à l'étranger d'être des acteurs de la transition environnementale, notamment dans les territoires où les effets du dérèglement climatique sont dramatiques. Il apparaît inévitable de revoir nos modes de vie, nos manières de consommer, de produire et travailler, de nous déplacer, de nous loger et de nous nourrir afin de réduire de 40% les émissions de GES d'ici 2030. En 2019, l'empreinte carbone moyenne d'un Français est de 11,2 tonnes
équivalent CO2, alors qu'elle devrait être de 2 tonnes par an pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Nous, les 150... Non, j'ai fini, excusez-moi, j'allais lire à la suite. Merci. J'étais partie. Merci beaucoup, Patricia. Guillaume, à toi de jouer. Donc, bonjour à tous. Bonjour, Madame la Ministre. Alors, moi, je vais vous parler du groupe Se Déplacer, qui a suscité pas mal de débats. C'est déjà paru un petit peu dans la presse. Donc, je vais vous synthétiser un petit peu tout ça. On était un groupe de débutants dans le transport. On a eu beaucoup d'intervenants extérieurs qui nous ont bien formés, bien expliqué les choses. Alors, qu'est-ce qui, dans le déplacement, pose problème? C'est, en fin de compte, le déplacement des marchandises et des personnes, qui aujourd'hui est très mal orchestré et organisé. Ce total est partagé entre les voitures particulières, 52% des émissions sont dues à ces voitures, 19% pour les poids lourds, 19% pour les véhicules utilitaires, et les vols intérieurs qui ne représentent que 4%. Alors, à ce jour, nous sommes sur la mauvaise trajectoire pour atteindre, bien sûr, une réduction d'au moins 40% des émissions d'ici à 2030. Le rapport annuel de 2019 du Haut Conseil pour le climat a souligné que ce secteur accumulait bien sûr des retards, on l'a dit dans l'introduction, importants par rapport à la trajectoire SNBC. Alors, on sait que la mobilisation des gilets jaunes due à la hausse du carburant et de la taxe carbone a suscité bien sûr un mouvement populaire et bien sûr a été considéré insociable. Alors on se souvient aussi aux environs de 2013, l'action des bonnets rouges, hein, le transport de marchandises, bien sûr, n'était pas aussi content. Alors, il est crucial, bien sûr, d'agir individuellement, je l'ai déjà fait, collectivement, sur nos comportements. On va modifier aussi la méthode pour transporter les marchandises, qu'on va voir dans les propositions, bien sûr, pour rattraper les objectifs de réduction de CO2. Alors, il nous faut agir, bien sûr, sur le comportement, ça je l'ai dit, la technologie et, bien sûr, l'organisation des territoires, qui est très important. Ce changement nécessaire est global, car il touche potentiellement toute la population française et tous les acteurs socio-économiques de notre pays et de tous ceux qui le traversent. On le voit souvent, moi je le vois sur Rocade Bordelaise, il y a beaucoup de camions qui ne sont pas immatriculés 33. Alors, en accompagnant bien sûr tout ceci, le transport de marchandises, le transport de personnes, bien sûr ça va amener à réaménager le territoire pour permettre cette évolution. Nous pourrons mieux aussi se déplacer et transporter autrement les marchandises, tout en garantissant une justice sociale. Nous tirons de nombreux bénéfices de cette évolution pour le climat, mais aussi pour la santé, les liens sociaux, la vitalité des territoires où nous vivons. Pour nous, dès aujourd'hui, certaines propositions peuvent avoir un impact très rapidement. D'autres, ça va se faire au milieu de la décennie, et d'autres, ça va être encore un petit peu plus loin. Donc, à partir de ces décisions, je vais vous exposer 5 familles d'objectifs qui vont nous permettre de baisser un peu le CO2. Alors, modifier l'utilisation de la voiture individuelle. Alors, on ne va pas supprimer vos voitures, hein. Loin de là. Mais on va surtout essayer de trouver une alternative pour éviter de se servir de la voiture en solo, en proposant des solutions alternatives au modèle dominant, hein, voiture thermique et l'auto-soliste. On va réduire et optimiser le transport routier de marchandises en permettant un transfert modal vers le ferroviaire et le fluvial, en aidant à la transition, bien sûr, du parc plus propre, en réglementant les véhicules à circuler et... ce qui est prévu aujourd'hui, je bafouille, hein. Je suis désolé, je suis ému, il y a Madame la Ministre qui est là. Agir au niveau local, au niveau des entreprises et de l'administration pour organiser mieux les déplacements
des gens qui y travaillent et de limiter, bien sûr, les effets néfastes du transport aérien. Alors, on ne va pas supprimer tous les avions. Je voudrais partir en vacances aussi. Alors, nous sommes conscients que beaucoup d'actions sont déjà engagées à l'échelle individuelle, professionnelle, locale, régionale, européenne et nationale aussi. D'autres actions sont plutôt de l'ordre de l'encouragement ou sont encore en préparation. L'examen attentif des propositions en cours nous ont permis de mettre en évidence le besoin d'aller rapidement plus loin, de systématiser certaines propositions, de passer du possible au certain pour d'autres et de passer d'un champ d'application aujourd'hui limité à une application systématique pour d'autres encore, sans avoir peur d'avoir un impact rapide et de changer les pratiques et comportements. En matière de lutte contre le changement climatique, nous n'avons pas le temps d'attendre, chaque année compte, et nous proposons pour avoir aussi des effets déjà dans quelques années, au plus tard, au milieu de la décennie. Je vous remercie et je m'excuse de mon bafouillage. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Guillaume. On va entendre désormais Alexia pour le groupe Se Nourrir, qui se joint à nous via Zoom. Alexandra, si tu peux l'afficher en grand, nous la verrons. Alors, bonjour à tous. Donc, bonjour Madame la Ministre. Donc, je suis du groupe Se Nourrir. Donc, je vais vous présenter déjà le constat que nous avons fait. Nous avons vu que les émissions de gaz à effet de serre dues à l'agriculture et à l'alimentation représentent 31,5% des émissions totales du territoire. Et les émissions du secteur agricole et alimentaire doivent être divisées par deux pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. À plus court terme, pour atteindre l'objectif de moins 40% des gaz à effet de serre en 2030, et ensuite les réduire à 20% par rapport à 2015. Donc, des mesures, programmes et actions sont déjà en cours aujourd'hui, mais n'ont pas réussi à entamer un changement assez profond de l'assiette du consommateur pour réduire les émissions. Donc, nous entendons mobiliser des leviers d'action pour réduire ces émissions qui agissent comme un ensemble. Il nous semble important d'agir sur l'ensemble de la chaîne de production alimentaire, en partant du consommateur jusqu'à l'agriculteur. Cette modification profonde de notre système passe par un changement de nos habitudes et l'adoption progressive d'une nouvelle assiette. D'ici 2030, notre assiette devra comprendre 20% de viande et de produits laitiers en moins, mais plus de fruits et légumes, de légumes secs et de céréales. Par chance, ces évolutions souhaitables pour le climat vont dans le même sens que celles qui sont souhaitables pour la santé, si l'on en croit les derniers repères nutritionnels publiés en 2018 par le Haut Conseil de Santé publique, qui ajoute qu'il est souhaitable qu'au moins 20% des fruits et légumes, céréales, légumineuses, soient issus des produits biologiques. Nous ne voulons pas dicter aux gens ce qu'ils doivent consommer. Nous voulons plutôt nous assurer que tout le monde ait accès aux bonnes informations concernant les impacts sur le climat et la santé de son choix d'achat et de consommation et que les choix des produits adaptés soient facilités, accessibles à tous, que les producteurs soient aidés et accompagnés pour adapter leurs pratiques, organiser une offre adaptée aux nouveaux besoins. Nous avons conscience de la connexion à l'extérieur de notre système alimentaire. Notre volonté est d'agir dans un contexte globalisé avec efficacité. Donc, notre ambition a été simple. Alors, elle a été écrite avec le groupe Se Nourrir et validée par la suite par les 150. Donc, se nourrir est un besoin vital. Cependant, il génère de nombreuses émissions de gaz à effet de serre. Il est urgent de faire évoluer notre façon de manger et de réinventer un système alimentaire durable d'ici 2030. Chacun devrait pouvoir accéder à une alimentation saine, durable, de qualité, grâce à une agriculture, une pêche, une industrie agroalimentaire respectueuse du climat, des écosystèmes et de la biodiversité.
pour réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Nous devons développer de nouvelles pratiques agricoles, de pêche et environnementales et transformer l'industrie agroalimentaire et la distribution dans un souci éthique tout en portant une ambition de changement du modèle économique du système agricole. Donc, pour cela, nous avons pu ressortir quelques mesures. Alors, tout d'abord, garantir un système permettant une alimentation saine, durable, moins animale, plus végétale, respectueuse de la production et du climat, peu émettrice de gaz à effet de serre et accessible à tous, notamment en rendant efficiente la loi Egalim. Puis nous avons décidé de faire muter notre agriculture pour en faire une agriculture durable et faiblement émettrice de gaz à effet de serre, basée sur des pratiques agroécologiques, en misant sur l'enseignement agricole et en utilisant les aides de la PAC comme levier. Ensuite, nous avons pensé à la pêche, qui est aussi légèrement émettrice de gaz à effet de serre, mais comme l'océan et l'écosystème permettent de capter 93% de l'excédent de chaleur et de stocker 30% du CO2, nous avons décidé d'inciter à une pêche à faible émission en réglementant sur les méthodes de pêche et en protégeant les littoraux et les écosystèmes marins. Ensuite, nous avons décidé de réfléchir à un modèle politique commercial d'avenir soucieux d'encourager une alimentation saine, une agriculture faible en émissions de gaz à effet de serre en France. Puis, nous avons décidé de rendre obligatoire d'informer, de former les futurs citoyens sur l'alimentation pour les rendre acteurs du changement de comportement nécessaire à la diminution des émissions de gaz à effet de serre sur notre alimentation. L'avant-dernière mesure, mettre l'éthique au cœur de notre alimentation, réglementer la production, l'importation et l'usage des additifs auxiliaires techniques, notamment dans l'industrie agroalimentaire, afin d'améliorer la qualité de l'alimentation en conformité avec les normes françaises et européennes. Enfin, la dernière qui nous apportait un peu au sein de cette convention, donc sauvegarder les écosystèmes en légiférant sur le crime d'écocide. Voilà, donc ce sont les motivations du groupe Se Nourrir et maintenant des 150 citoyens de la convention. Voilà. Merci beaucoup, Alexia. Alexia nous parlait depuis la Guadeloupe. Yves, désormais, va nous présenter Produire et travailler. Puis allez, Yves. Avec ton micro, Manuel. Yves, avec ton micro à main. Madame la ministre, j'ai l'honneur de vous présenter le fruit du travail du groupe Produire et Travailler, qui a été débattu et adopté par l'ensemble de la Convention et des citoyens. Nous avons un constat, une ambition et des propositions qui ont été adoptées. Le constat. Des solutions existent pour réaliser la transition vers une disparition progressive des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, le cadre actuel, que ce soit l'orientation des investissements, les règles des marchés publics ou encore l'accompagnement des entreprises et la formation, ne permet pas de répondre pleinement à cet enjeu. Le passage à une société décarbonée implique de transformer pleinement l'appareil de production ou encore les métiers. De nombreuses entreprises et personnes vont voir leur activité disparaître ou au moins être fortement touchées. Cette transition peut constituer une opportunité pour l'économie et l'emploi, mais sans accompagnement, sans dispositif adapté, beaucoup pourraient en souffrir. Enfin, le problème climatique et les émissions de gaz à effet de serre sont globaux. La France comme l'Europe doivent être moteurs.
mais nous devons envisager les liens de notre économie avec le reste du monde, les impacts de nos importations et prévenir des effets négatifs indésirables de nos propositions de transition en dehors de nos frontières. Deuxième point, notre ambition. Nous souhaitons contribuer à une société décarbonée durable, éthique et juste, respectueuse de la vie et de notre planète. Nous voulons arrêter la destruction de la planète et donner à nos enfants un cadre vivable, débarrassé de toute pollution. Les propositions de notre groupe Produire et Travailler s'inscrivent dans cette logique. Nous voulons produire pour vivre et non pas vivre pour produire. Nos propositions visent à produire et travailler mieux, de manière responsable, en concevant des produits durables et en privilégiant une production locale. Nous demandons l'abandon progressif de toute énergie carbonée. Tous nos outils de production doivent être transformés et adaptés aux exigences de la transition écologique. Cela demande de l'anticipation pour transformer les comportements de toutes les parties prenantes, citoyens, entreprises ou encore acteurs publics. Dans une économie globalisée, nous devons nous assurer de prendre en compte cette exigence dans nos importations. Alors, voici donc nos propositions. La Convention citoyenne pour le climat a adopté ces propositions. Il y en a 11. Je vais donc vous les citer. Favoriser une production plus responsable, développer les filières de réparation, de recyclage et de gestion des déchets. La deuxième, développer et soutenir l'innovation de la transition. La troisième, organiser et soutenir le financement de la transformation de l'outil de production des entreprises dans le cadre de la transition écologique. La quatrième, accompagner la reconversion des entreprises et la transformation des métiers au niveau régional. La cinquième, ajouter un bilan carbone dans le bilan comptable de toutes les structures qui doivent produire un bilan. La sixième, renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics. La septième, protection des écosystèmes et de la biodiversité. La huitième et la neuvième, mieux prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre liées aux importations dans les politiques européennes. La dixième, production, stockage et redistribution d'énergie pour et par tous. Et la dernière et onzième, accompagner l'évolution au numérique pour réduire ses impacts environnementaux. Objectif fusionné avec une proposition du groupe Consommer. Voilà, Madame la Ministre, et je voudrais, avant de partir, remercier notre président, M. Macron, qui a eu l'idée de cette convention. Merci beaucoup, Yves. Jocelyn, à toi de y aller pour consommer. Bonjour à tous, bonjour Madame la Ministre. Donc je fais partie du thème consommer et je vais donc vous présenter le constat et l'ambition de cette thématique et les mesures qui ont été votées par l'ensemble des 150 citoyens. Donc nos habitudes de consommation, voire de surconsommation, on le sait aujourd'hui, ont un fort impact sur l'environnement. Changer le comportement des consommateurs nous paraît indispensable pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Nous devons donc moins consommer, pour utiliser moins de ressources naturelles et mieux consommer en ayant le choix de consommer des produits moins émetteurs de gaz à effet de serre, en étant mieux informés et en ayant un accès à des alternatives accessibles financièrement à toutes et tous. Une consommation plus sobre, plus vertueuse pour tous, quel que soit le pouvoir d'achat. Cela ne doit pas être une contrainte subie, ni un luxe, ni un acte militant. Cela ne doit pas reposer uniquement sur le consommateur, mais également sur une transformation en profondeur des modes de production et de distribution. Dans cette perspective,
Nous pensons que l'information, l'éducation et la sensibilisation sont des leviers puissants et efficaces pour effectuer des changements pérennes et durables dans la société future, tout en agissant rapidement pour inciter à modifier les comportements du quotidien. Finalement, nous souhaitons responsabiliser chacun, sans pour autant contraindre. Chacun doit pouvoir agir selon sa volonté, mais aussi et surtout selon ses possibilités, notamment pour respecter nos valeurs en matière de justice sociale. Toutefois, nous pensons également que certaines propositions sont nécessaires pour faciliter ces changements. Plus particulièrement, nous avons pu constater que notre consommation est fortement génératrice de déchets. Nous proposons ainsi de modifier les usages et pratiques de consommation pour réduire l'utilisation du plastique à usage unique. Également, les travaux de la Convention citoyenne pour le climat nous ont permis de découvrir de nombreuses initiatives et lois existantes pour préserver l'environnement. Seulement, elles ne sont pas suffisamment appliquées. Donc, nous voulons mettre en avant ces lois et les mettre en vigueur. Voilà. Donc, nous avons 5 propositions qui ont été votées, comme je l'ai dit, par l'ensemble des 150 citoyens. Donc, en premier, créer une obligation d'affichage de l'impact carbone des produits et services. En second, réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation. En troisième, limiter le suremballage et l'utilisation du plastique à usage unique en développant le vrac et les consignes dans les lieux de distribution. En quatrième, faire de l'éducation et de la formation et de la sensibilisation des leviers d'action de la consommation responsable. Et pour conclure, assurer une meilleure application des politiques publiques environnementales et les évaluer pour les rendre plus efficaces. J'aimerais, si vous le permettez, Madame la Ministre, rajouter un dernier petit message. Donc ce qu'on a fait ici, c'est quelque chose de grand, je trouve, et je pense que c'est important aujourd'hui que le débat soit au centre de la société, que les différences soient mises en avant, que de nouvelles idées se créent, que les arguments s'entrechoquent, que les nuances apparaissent et que l'intelligence collective règne. Alors, merci pour cette convention et merci à la convention de redonner sa chance, je pense, à la démocratie de se réinventer. Merci à tous, ce fut une expérience extraordinaire. Je suis pas mal ému, je me suis vraiment construit tout au long de cette année. Donc voilà, merci à tous. Et désormais, Corinne, difficile de passer derrière Jocelyn. Madame la ministre, et vous tous, citoyennes, citoyens, je vais vous présenter le fruit des travaux de la Convention sur le thème « Se loger ». Comme vous le savez, le parc immobilier, résidentiel et tertiaire, représente à lui seul 16% des gaz à effet de serre et nécessite une réduction par 10 des émissions pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. C'est donc un gisement de réduction majeur. À plus court terme, pour atteindre l'objectif de réduction d'au moins 40% des gaz à effet de serre en 2030, celles-ci doivent être divisées par 2. Cela représente 20 millions de logements, dont 5 millions de passoires thermiques. Beaucoup de choses sont faites actuellement, mais principalement via des leviers incitatifs, peu efficaces, et qui ne suffisent pas pour atteindre les objectifs de réduction. C'est pourquoi nous avons pensé à engager de vastes chantiers, rendre la rénovation thermique globale obligatoire pour permettre, même aux plus démunis, de mieux vivre dans des logements bien isolés et plus sains, réduire la consommation d'énergie fossile dans les bâtiments et dans les villes, utiliser des matériaux biosourcés dans la construction et la rénovation, lutter contre l'étalement urbain et protéger durablement nos espaces naturels, agricoles et forestiers qui stockent le carbone, réduire les mobilités contraintes et les déplacements non consentis. Pour réussir ces challenges de grande ampleur, nous avons fait des propositions réunies en 3 grands objectifs. Toutes nos propositions ont été réfléchies, débattues et voulues dans un esprit de justice sociale. Premier objectif, la France doit amorcer la rénovation globale obligatoire
de l'ensemble du parc immobilier, c'est-à-dire les logements collectifs et des particuliers, les bâtiments tertiaires et industriels, les bâtiments publics et les grandes infrastructures. Un vaste dispositif d'accompagnement permettra de diminuer le reste à charge, notamment pour les plus précaires, et nous tenons vraiment que les plus précaires soient aidés, et les classes moyennes. Des guichets uniques de proximité aideront chacun à mettre en place et financer sa rénovation globale. La rénovation et la construction bas carbone à énergie positive seront largement développées grâce à la formation de l'ensemble des acteurs du bâtiment. Cette formation est incontournable pour parvenir à atteindre les objectifs de transformation des modes de rénovation. Deuxième objectif, la France doit diminuer sa consommation d'énergie dans les lieux publics et les entreprises grâce à la pédagogie et à la sensibilisation pour changer de comportement. Ça concerne le chauffage, la climatisation, l'éclairage, mais aussi par des mesures fortes pour restreindre la consommation et changer les pratiques trop consommatrices d'énergie dans les espaces publics, notamment concernant le chauffage et l'éclairage public. Troisième objectif, la France doit maîtriser l'étalement urbain en ralentissant le rythme de consommation d'hectares en pleine terre d'ici 2040. Elle doit aussi encourager la construction de la ville dans la ville, afin de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers nécessaires à la transition écologique et à la protection de la biodiversité. Ces propositions, Madame la Ministre, ont un fort potentiel de réduction de gaz à effet de serre et vont contribuer à la création d'emplois. Elles sont donc essentielles. Madame la Ministre, avec l'ensemble du gouvernement, soyez ambitieux avec nous. Nous allons désormais entendre Kizito sur la Constitution. Vas-y, Kizito. Bonjour, Madame la Ministre. Sur l'ambition du groupe pour la modification de la Constitution, l'ambition c'est, nous vous proposons une modification de la Constitution du 4 octobre 1958 afin de mieux garantir dans le texte fondamental de la République française la lutte contre le dérèglement climatique et pour le respect de l'environnement devenu des enjeux vitaux pour le système vivant. L'objectif de cette modification se décline dans deux ambitions. Une ambition emblématique en actant la lutte contre le dérèglement climatique comme un objectif de la République. Une volonté affirmée de mobiliser la nation en ce sens par un engagement renforcé dans des actions affectives contre le dérèglement climatique, notamment avec la création d'outils concrets et opérationnels pour toutes les instances administratives et public. En tout, nous avons 4 propositions de révision de la Constitution. 2 révisions du texte mère de la Constitution, 1 proposition de modification du préambule, 1 proposition de modification de l'article 1er et 2 ambitions de révision institutionnelle et constitutionnelle. Une ambition pour renforcer le contrôle fondamental des politiques et la dernière, l'ambition sur la réforme du CESE. Merci. Merci beaucoup, Kizito. À toi, Zaya, pour l'attention. On désinfecte le micro. Nous allons... Nous allons entendre Zaya pour la conclusion de ce rapport. Madame la ministre, bonsoir tout le monde. Je vais vous proposer la conclusion de notre rapport. Nous, les 150 citoyens, sommes conscients que les mesures que nous préconisons peuvent être difficiles à comprendre et parfois à accepter. Pour tous ceux qui verront leur métier disparaître et devront se réorienter, et qu'elles impliquent de nouvelles contraintes,
pour tous les Français. La plupart d'entre nous n'auraient pu imaginer, en acceptant de participer à cette convention, qu'ils puissent préconiser des mesures qui peuvent sembler extrêmes. Pour autant, il est vraisemblable qu'elles soient encore insuffisantes pour atteindre l'objectif de réduction de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre et maintenir l'augmentation de la température de la Terre en deçà de 2 degrés. Nous pensons donc important que nos concitoyennes et concitoyens se saisissent de tous les sujets que nous avons travaillés pendant 9 mois avec le souci constant de l'intérêt commun. Nous les engageons à faire entendre leur voix auprès des élus qui les représentent à toutes les échelles du territoire français et à leur demander des comptes chaque fois que leurs décisions ne tiendront pas compte de l'urgence climatique et du respect de la biodiversité. Nous considérons que la réussite de cette convention dépendra en grande partie du respect par l'exécutif de son engagement à transmettre nos propositions sans filtre, c'est-à-dire sans être reformulées ni adaptées, mais également à leur prise en compte par le pouvoir législatif. La Convention citoyenne pour le climat, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent travailler de concert pour atteindre les objectifs de réduction des émissions des gaz à effet de serre avec tout le courage politique nécessaire. Nous souhaitons continuer à être associés aux restitutions et surtout au suivi de la mise en œuvre de nos propositions. Nous voulons être partie prenante du partage avec le grand public de nos propositions afin qu'elles soient comprises et partagées. Les référendums sur la Constitution et la reconnaissance du crime d'écocide que nous demandons permettront à tous les Français de prendre conscience, comme nous l'avons fait, des enjeux et des dangers du réchauffement climatique et d'une sixième extinction de masse. Mais surtout et aussi de débattre et de s'approprier la transformation de la société qu'impliquent nos mesures. Enfin, nous encourageons vivement la tenue de nouvelles conventions citoyennes sur des thèmes fondamentaux pour la société française, pour écouter les citoyens et les associer aux décisions. L'implication citoyenne aux décisions politiques ne doit pas être vue comme un obstacle, mais bien comme une force démocratique. Voilà, la fin du rapport. Merci à nos oratrices et orateurs. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre attention. C'était une présentation, Madame la Ministre, un peu longue, mais bien moins longue que le petit cadeau qui vous est remis dans un instant. C'est un résumé fort court pour des travaux fort copieux. Et donc, je crois que c'est avec plaisir que Jocelyn et Françoise vont vous remettre officiellement, Madame la Ministre, en tant bien sûr que ministre de la Transition écologique et solidaire, et je vous invite à nous rejoindre, mais aussi en tant que représentant de l'ensemble du gouvernement, le fruit de ces 9 mois de travaux, le bébé de la Convention. Donc, voici Françoise et Jocelyn pour ce passage de relais. Merci. J'espère que ça servira à faire avancer la diminution des gaz à effet de serre sur notre planète. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et je crois que vous avez quelques mots à nous dire également. Je vous invite à monter à la tribune si vous le voulez bien. Et on va vous passer un micro tout de suite. Ah, d'accord.
Bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais être brève, parce que je sais que vous avez eu un très long week-end. J'ai bien sûr suivi vos débats avec beaucoup d'attention, comme je le fais depuis le début. Et puis, je ne veux pas vous priver de la fête de la musique. Mais aujourd'hui, nous y voilà. Après 9 mois d'un travail acharné, déterminé. Donc j'ai tout d'abord envie de vous dire bravo, tout simplement. Bravo d'avoir tenu bon malgré les crises que nous avons traversées. Votre agenda a d'abord été bousculé par le mouvement de grève et puis ensuite par la crise sanitaire sans précédent que nous vivons. Bravo d'avoir réussi un exercice démocratique inédit dans notre pays. Et au-delà, nulle part, jamais, des citoyennes et des citoyens n'avaient produit des mesures aussi abouties sur un sujet aussi large. Bravo aussi parce que depuis quelques jours, vous avez fait naître le débat. Je pense que vous avez vu comme moi, vos mesures dérangent certains, elles enthousiasment d'autres. En tout cas, je pense qu'on peut dire qu'elles ne laissent pas indifférents. Et bravo parce que rien n'était joué d'avance. Alors vous vous en souvenez, cette convention est née suite à la crise des Gilets jaunes, un mouvement de société inédit, qui a mis à jour des fractures qui ont trop longtemps été ignorées. Le président de la République a voulu cette convention pour répondre à 2 attentes fortes qui se sont exprimées dans le grand débat national, plus de démocratie et plus d'écologie. C'est pour cela que cette première convention citoyenne portait sur le défi de notre siècle, arrêter le dérèglement climatique. Et avec un objectif précis, je pense qu'on pourrait le dire tous ensemble, réduire d'au moins 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Alors, beaucoup disaient, on s'en souvient, que ça ne servirait à rien, que le sujet était trop complexe, que les réponses, on les avait déjà. Alors, pourquoi tirer au sort 150 citoyens représentant tous les âges, toutes les catégories socioprofessionnelles et tous les territoires ? Bien, je crois que c'est clair. Ce que vous avez apporté, ce sont vos expériences personnelles, vos regards neufs et votre ambition. Et je crois qu'aujourd'hui, vous répondez avec force à tous ceux qui doutent de la démocratie délibérative. C'est votre premier succès et je suis sûre qu'il va continuer à infuser longtemps. Alors, vous montrez que quand on entend, on écoute les scientifiques et les experts, on prend conscience qu'il faut agir avec détermination maintenant, pas dans 10 ans, ni même dans 5 ans. Ça n'est pas la première fois qu'on se rencontre, et je me souviens quand j'étais venue vous voir en octobre, j'avais partagé avec vous 3 convictions qui sont les miennes, et qui guide mon action à la tête de mon ministère chaque jour. Vous avez parlé du besoin de créer du consensus, je pense qu'on en a besoin dans notre pays, de l'exigence de solidarité, et puis aussi de la nécessité de construire un avenir désirable pour tous. En tant que ministre de la transition écologique et solidaire, moi, je suis très heureuse de voir aujourd'hui que nos perspectives convergent. Les solutions que vos débats font émerger vont dans la même direction que les grandes orientations
qui sont portées depuis le début du quinquennat, que ce soit en termes de mobilité propre, d'économie circulaire, de rénovation des bâtiments. Mais souvent, vous allez plus vite ou plus loin. Et moi, je me réjouis de voir que la prise de conscience a été aussi rapide. Parce qu'aujourd'hui, elle va permettre des mesures qui semblaient impossibles il y a simplement quelques années. Je crois qu'on peut dire que vos propositions ont une ambition, celle de nous porter plus vite, plus haut, plus fort, pour reprendre la devise des Jeux Olympiques. Et en tout cas, cette ambition, elle donne de la force à la ministre de l'écologie que je suis. Parce que nous avons un même objectif, une France qui respecte la planète, une société plus écologique, plus juste, plus solidaire et plus résiliente. Et la période inédite que nous vivons confirme ce besoin. Nos concitoyens attendent ces décisions qui inventeront un autre avenir, qui reconstruiront le pays autrement, qui réconcilieront économie et écologie, souveraineté et environnement. Le président de la République l'a dit dimanche dernier en nous appelant à une reconstruction économique, écologique et solidaire. Votre travail est au cœur de ce projet. Donc vous le savez, le président de la République vous rencontrera dès le 29 juin. Comme il s'y était engagé devant vous en janvier, il vous expliquera en détail comment nous allons prendre en compte vos propositions. Et je crois pouvoir le dire, il n'y aura pas de tabou. Alors, mesdames et messieurs, je ne veux pas être plus longue. Je voudrais simplement partager à nouveau avec vous que nous vivons un moment unique où 150 citoyens inventent le monde de demain. Vos propositions, votre travail, votre engagement sont à la hauteur du défi devant nous. Et je suis certaine qu'ensemble, nous allons relever ce défi. Alors merci à chacune et à chacun d'entre vous. Merci. Merci infiniment, Madame la Ministre. Et je crois que cette ovation, c'est aussi l'espoir terrible et extrêmement fort qu'ont tous les citoyens de ce que le gouvernement va faire de leurs propositions qui s'expriment au travers d'eux. Je donne la parole maintenant à nos deux coprésidents préférés. Il y en avait que deux, de toute façon. Et une lingette, monsieur le coprésident. Alors, voilà, on avait commencé en duo, donc on a décidé de finir en duo. Voilà. Bon, c'est notre dernier discours, après on fait un spectacle de danse. Voilà. Okay. Okay. Allez, je commence quand même parce que, Madame la Ministre, chère Elisabeth, on en a fait des choses ensemble. Hein, et celle-là, c'est peut-être la plus grande, même si on a beaucoup traîné dans la rue de Varennes pendant longtemps pour essayer de faire avancer les choses. Elisabeth, à ce moment-là, Madame Borne, s'occupait du transport, incollable. Moi, je m'occupais de l'écologie. Pas toujours facile, mais... on s'est retrouvés et
Moi, je suis très heureuse de pouvoir vous avoir, Madame la Ministre, comme représentante du gouvernement, vous qui, tous les jours, vous battez pour faire triompher la transition écologique dans un pays qui n'est pas complètement préparé pour ça. Même si, et c'est la preuve, vous avez tous les citoyens ici, et je suis sûre que fondamentalement, ils représentent exactement ce que pense la société française. Exactement. Ben, ils vous disent que vous pouvez y aller. Et que donc vous avez derrière vous des millions de Français qui pensent comme vous, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse entendre à l'extérieur. Alors comme on a dit qu'on vient du haut, maintenant il faut qu'ils brodent là-dessus. Monsieur le Président, Madame la Ministre, merci de votre présence ici. Vous y représentez, Madame la Ministre, le gouvernement, mais aussi le Président de la République qui vous a demandé de venir et que nous visiterons probablement à l'Élysée dans une semaine. Une des grandes leçons, je crois, partagées par toutes et tous ici, c'est que le travail emporte tout. Les gens qui sont ici ont énormément travaillé. Et je me souviens d'une époque où l'objectif, l'ambition très élevée qui leur a été fixée, les impressionnait. Je me souviens de moments de doute, tu t'en souviens, Laurence, de moments où ils se disaient, après s'être demandé si c'était bien sérieux tout ça, s'ils y arriveraient. Et ils ont beaucoup travaillé et le travail paye. Et je pense à ce que m'a dit je ne vais pas le citer, mais quelqu'un des cabinets ministériels m'a dit, il y a au moins quelque chose qui va se passer, qui sera intéressant, c'est qu'ils vont entrer dans la cuisine dans laquelle nous, on travaille toute l'année. Et ils vont voir combien c'est difficile. C'est très difficile. Votre métier est très difficile. Et je crois que toutes et tous ici l'ont compris. Ils l'ont compris en travaillant beaucoup. Et donc, ils vous passent la balle, et c'est une balle énorme, mais ils vous la passent avec un enthousiasme que vous avez pu percevoir, une détermination, une ambition qui, j'espère, vous aideront à aller plus loin, plus vite, plus fort, tel que vous l'avez dit. À toi. Moi, avec vous, j'ai appris quelque chose que je connaissais un peu déjà, mais que j'ai vu déployer au maximum, c'est que l'émotion et la raison, ça peut faire très bon ménage. L'émotion, c'est pas toujours la pire manière d'aborder un grand problème. Parce qu'au fond, il faut qu'on le sente profondément. Et je me souviens, encore une anecdote, là, c'était pas un conseiller ministériel, c'était quelqu'un d'entre vous, je ne dirai pas le nom pour ne pas la faire rougir. Je l'ai trouvée dans l'escalier en larmes. Et elle m'a dit, une toute jeune femme, ce qui me fait peur, ce qui me rend triste, c'est que est-ce qu'on ne va pas être terriblement déçus parce que la responsabilité vraiment est telle, c'est tellement sérieux, est-ce qu'on va pouvoir vraiment faire le travail? Est-ce qu'on ne va pas être terriblement déçus parce qu'on se sera montré incapable? Et puis je l'ai vue au fur et à mesure des sessions, grandir, sourire, se bagarrer. Et je voudrais lui dire, parce qu'elle sait exactement de qui je parle aujourd'hui, que vraiment je suis très fière d'elle, comme je suis très fière de nous, de vous, de ne pas avoir eu peur. Et ne pas avoir eu peur, c'est exactement la sensation que j'ai eue, y compris ce matin. À moi. Vous savez, moi je suis un intellectuel. J'ai longtemps vécu dans les livres. Et les intellectuels sont des gens qui pérorent, très souvent, et qui font semblant d'avoir compris des choses que parfois ils n'ont pas comprises. Et parmi les choses que je savais, mais que je n'avais pas comprises, il y en a une que j'ai comprise avec vous. Il y a un grand texte de Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse, qui raconte l'oraison funèbre que Périclès a prononcée devant les Athéniens rassemblés en 431 avant notre ère. Moi, je connaissais ça par cœur, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il dit... Ayez tous les jours sous les yeux la puissance de la cité. J'étais capable de réciter ça, mais la puissance de la cité, franchement, je ne savais pas ce que c'était. Quand je vous ai vu réunis, capable de soulever des montagnes, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la puissance de la cité. C'est la puissance des citoyens, des citoyens réunis, de leur participation active. Et donc, merci. J'ai fini par comprendre ce que j'avais appris, mais que je n'avais pas compris. Merci à vous. À moi. Ce week-end, j'ai vu votre courage. Il se trouve que
d'une certaine manière, vous m'avez moralement délégué pour me bagarrer un peu avec un représentant des 40 millions d'automobilistes. Bon, ça a été chaud, vous le savez, pour ceux qui ont regardé. Elle a été très très bien, vous pouvez applaudir. Franchement, c'était dur. Et moi, je vous ai vu pendant le week-end, alors que ça tournait en boucle, les tentatives de ridiculiser votre travail. Vous avez gardé la tête froide. C'était pas, vous n'étiez pas froid, c'est là où je parle de l'émotion. Mais vous avez gardé la tête froide parce que vous avez raisonné. Et ce matin, Madame la Ministre, quand les citoyens ont décidé que, la veille, ils avaient voté pour que s'engage un référendum sur deux parties importantes de la Constitution, eh bien, le lendemain, et qu'en général, en majorité, ils pensaient que le référendum était une bonne façon de faire participer les Français au débat sur la transition écologique, ce matin, ils ont décidé, à une seule exception, que ce n'était pas à eux de choisir, parmi tous les éléments qu'ils ont travaillé ensemble, parmi tout le paquet cohérent de mesures, de ces 149 mesures, eh bien que c'était au gouvernement et à la représentation nationale de faire le travail maintenant. Ils ont eu un beau moment de montrer que la démocratie représentative délibérative, ce n'était pas une substitution. On ne passait pas, comme tu le réfléchis Thierry, c'était la vraie cité, les citoyens, mais qui savent aussi travailler avec leurs représentants, leur redonner confiance. Et au fond, qu'est-ce que c'est la confiance? Vous avez travaillé sérieusement, vous faites confiance maintenant à vous, au gouvernement, au président de la République, aux parlementaires, pour faire le travail. J'ai bien aimé, vous avez, nous, on veut un référendum sur une orientation générale. Mais pour le reste, on ne décrédibilise pas la démocratie représentative. Au contraire, on la convoque, on la soutient, on a besoin d'elle. C'est quelque chose de vraiment intéressant que vous avez fait ce matin. Et moi, je trouve que vous avez été complètement cohérent. Je dirais un dernier mot, mais Thierry, vas-y, pour la fin. C'est moi ? Non, moi j'ai encore une fin, mais... T'as encore mais, une fin ? Mais oui. Alors j'en garde un bout, ça ne va jamais finir. Non, on va avoir du mal à se quitter. Non, je voudrais avoir une pensée. Vous savez, dans le 2 juillet, on va fêter le premier anniversaire du comité de gouvernance, qui a été installé par votre prédécesseur, Madame la Ministre, François de Rugy. Il a été très peu cité ici, mais il était aussi à l'origine de tout ça. Je voudrais avoir une pensée pour lui. Dans Thucydide, il y avait aussi des considérations sur un truc qu'on appelle l'égalité. L'égalité, c'est une idée, mais c'est aussi une réalité, et parfois c'est une fête. Et ce qui a été possible ici, ça a été dit tout à l'heure, quand vous avez fait se lever les citoyens qui avaient rencontré des gens qu'ils n'auraient peut-être jamais rencontrés autrement. L'égalité est une fête parce que, tout à coup, le jeune parle d'égal à égal avec le retraité, parce que, tout à coup, l'ouvrier parle d'égal à égal avec l'ingénieur, parce que la fraternité prend tout à coup ce visage, non pas simplement d'une idée, mais d'une joie. Et je crois que vous l'avez incarné, vous l'avez éprouvé. Il y a beaucoup d'amitiés qui se sont liées sur ces bancs. Je crois que vous êtes aussi, vous êtes heureux de vous retrouver parce que vous partagez une ambition climatique, mais parce que aussi vous êtes devenus très copains entre vous, très amis. Et c'est ça qui a fait tenir aussi la convention. Parmi les chercheurs qui observent ce processus, il y en a une qui a dit un jour, en répondant à un article, on lui demandait « qu'est-ce qui vous a étonné ?» Et elle a dit ce qui lui venait à l'esprit, ils se font des déclarations d'amour. Ils se disent comme ça qu'ils s'aiment. C'est très surprenant. Et oui, c'est très surprenant, mais c'est ça aussi qui a constitué le groupe. Et c'est, je crois profondément, la réalité émotive de l'égalité. C'est quelque chose que nous avons fortement partagé, nous aussi, avec vous. Et c'est une part des choses que vous nous avez données. Clara, qui est ici, qui a travaillé pour moi, à mes côtés, à nos côtés, me disait, tu verras, ils vont nous donner beaucoup. Vous nous avez donné beaucoup sous cette forme-là. Alors, ça va être difficile de savoir qui a le dernier mot. Mais c'est toujours comme ça, Thierry et moi. Hein. Si c'est toi qui as commencé, c'est moi. Hein ? Ah non. Bon, ça ne fait rien. Je dis mon dernier mot, je le lui laisse, le dernier. Non, après non, tout, je le laisse. Bon. Je trouve que cette affection, enfin cette émotion et cette raison, vous savez, moi j'ai négocié avec des monstres froids, les États, enfin dans la
Mathilde Gramchen, c'est des monstres froids. Et il y en a eu 197 avec qui j'ai négocié pour négocier la COP21. C'est comme ça, d'ailleurs, que je me suis présentée à vous tout au début. Et c'est difficile. C'est difficile. Mais en même temps, lorsque même les monstres froids, derrière, il y a des personnes. Et derrière les catégories socio-professionnelles, les classes d'âge, etc., il y a des personnes. Et quand ces personnes pensent au bien commun, quand elles commencent à travailler ensemble pour produire quelque chose de collectif, vous avez bien vu, on sort chacun de notre idéal de vie, de notre carcan de vie, de la façon dont on voit les choses. Et moi, j'ai vu des négociateurs vraiment confirmés dire que, après tout, les intérêts de leur pays, leurs instructions, c'était moins important qu'une cause globale. Et vous, vous avez fait la même chose, le même chemin. Vous avez dit que plus important que peut-être vos difficultés à vous déplacer, vos habitudes de consommation, votre confiance ou votre défiance envers le gouvernement, c'était moins important que de faire un grand essai, de prendre le risque, d'avoir confiance en vous et aussi en ceux à qui vous remettez ce travail. Et cette confiance, j'ai l'impression que maintenant, et c'est mon dernier mot, il faut maintenant que ça prenne son envol. Vous allez être les ambassadeurs de ce que vous avez fait. Et maintenant, il faut qu'on déborde, je dirais la théorie du débordement. Bien sûr, le gouvernement et le Parlement doivent vous répondre. Mais pas seulement eux. Les autres partis politiques, pas seulement la majorité, les organisations non gouvernementales, les syndicats, tout le monde. Et c'est vous qui allez faire déborder cette discussion. C'est difficile hein, de sortir dehors, mais vous allez sortir dehors et vous allez être les ambassadeurs de l'extraordinaire travail que vous avez conduit. Vous serez ceux qui allez être vigilants pour que la réponse qui vous sera apportée, à la fois par le gouvernement et vos élus, mais aussi par la société, qu'elle vous ait écoutée. Donc c'est votre responsabilité aussi de continuer à plaider pour ce changement que vous êtes en train de construire. Je sais que vos vies ont changé. La mienne, en tout cas, m'a confirmé en vous fréquentant qu'il n'y a rien d'impossible. On peut sortir de sa vision étroite si on fait ensemble. Et le bien commun, le bien public, c'est exactement ça. Comme tu disais, Thierry, c'est ça, la cité. Je crois que c'était le dernier mot. Allez. Bon, c'était le dernier mot. Au revoir. Au 29. Micro, merci beaucoup. Merci à tous les deux. J'ai cru comprendre que, d'une part, nous allions libérer Madame Borne, enfin, qui n'était pas otage, il faut bien le dire. Mais quand même, je crois que vous avez, comme tout ministre, quelques petites occupations encore. Donc, bon courage pour la suite. Et je crois à très bientôt pour certains d'entre vous. Et encore merci de nous avoir rejoints. J'ai cru comprendre que certains d'entre vous avaient préparé des mots ou des choses à dire ou ce genre de choses, donc on va vous donner la parole. Si vous en avez besoin, venez ici. Il n'y a plus de micro, hein, c'est ça? Donc on va amener des micros et des lingettes pour que vous puissiez vous exprimer. Profitez-en, ce seront les derniers mots de la Convention dans cette enceinte, dans le cadre de la Convention. Est-ce qu'on a un micro propre? Formidable. Vas-y, Nicolas. N'oubliez pas de déposer au passage, pardon, vos questionnaires. Et remplissez-les surtout, parce que c'est un témoignage unique et important pour la postérité des chercheurs et de la Convention. Vas-y, Nicolas. Alors, bonsoir à tous.
C'est la première fois que je monte sur cette estrade pour vous parler à tous en même temps, donc je suis vraiment content. Et pour clôturer la Convention citoyenne, ça me fait vraiment plaisir. Donc déjà, bonsoir. Et si j'ai tenu, si j'ai insisté, j'ai envoyé des messages d'animateurs pour pouvoir vous parler ce soir, c'est pour vous exprimer, vous témoigner de mon émotion d'avoir fini cette Convention citoyenne pour le climat. Comme beaucoup d'entre vous, vous savez, quand je suis arrivé ici, j'avais 17 ans et je ne m'intéressais pas énormément au climat. Je viens d'Aix-en-Provence, donc j'avais le soleil, la plage, le beau temps. Donc bon, je ne suis pas allé plus loin, je n'ai pas creusé. Mais tout a changé pour moi, mais aussi pour vous. Déjà, j'ai 18 ans, donc déjà, il y a beaucoup de choses qui ont changé là-dessus. Merci. Et puis, j'ai découvert le climat parisien, qui est différent d'Aix-en-Provence, donc j'ai découvert autre chose aussi là-dessus. Nous avons eu la chance, de pouvoir réaliser l'envergure du problème climatique actuel. Et grâce à ça, là je résume ce qu'on a fait, on a réalisé quelque chose d'inédit. Et quand je dis inédit, on a réussi à modifier la Constitution en faisant rentrer dans la Constitution française la notion d'écologie. Et en faisant ça, on a réussi et on va réussir à faire rentrer ça dans nos mœurs et dans les codes de l'éducation pour inculquer cette notion écologique aux générations à venir. Alors, je vous remercie tous parce que cette Convention citoyenne, depuis 9 mois, elle m'a un peu éduqué sur certains points, sur ce que je voulais faire plus tard. Elle a impacté, elle a changé ma vie. Vous étiez des inconnus pour moi il y a 9 mois. Maintenant, vous êtes des amis. Je pense à Jocelyn, Selja, Héloïse, Annie, Elou, Annie, je ne la vois pas. Annie, je t'aime, veux-tu m'épouser? Brigitte, tout le monde, Corinne, j'en oublie, Denis, enfin... C'est une expérience de vie incroyable. Et dans 10 ans, quand on fera le point pour savoir ce qu'on a fait, si ça a marché, je me souviendrai de vous et j'espère qu'on sera encore en contact. Donc j'aimerais finir avec une phrase que j'avais faite avec Jocelyn et Muriel, juste ici. Tu m'avais cité une fois devant Nicolas Hulot, donc j'aimerais vous remercier tous. Une belle phrase qu'on avait dit en webinaire pendant le confinement. Vous, citoyens et citoyennes, acteurs de la Convention pour le climat, qui m'avez appris le goût de la belle nature, je traverserai toutes les préfectures pour trouver, s'il le faut, le formulaire à jour pour vous déclarer mon amour. Merci à vous. Et merci beaucoup, Nicolas. Je crois que Tina, sur Zoom, souhaite aussi nous dire quelques mots. Tina, tu as la parole. Effectivement, que d'émotions même de loin. Et moi, je voudrais, en tant que citoyenne, adresser un très grand et chaleureux merci à toutes les personnes qui ont initié, porté, soutenu cette convention de toutes les manières possibles et malgré toutes les difficultés possibles. Les garants, les experts, les animateurs, le comité de gouvernance, les juristes ont mis toute leur expertise, toutes leurs compétences et leur attention au service de l'intelligence de chacun et au service de ce collectif. Les citoyens ont fait preuve, nous avons fait preuve d'indépendance d'esprit et d'audace et vous nous avez suivis. J'espère donc que cette avancée démocratique pourra s'ancrer un jour de manière durable et positive dans le quotidien des Français, de tous les Français, et que les mesures proposées se verront un jour réellement traduites dans la vie de tous les jours pour le bénéfice de la planète, de ses occupants et des générations à venir. Merci à tous. Merci beaucoup, Tina. Merci. Alors, un dernier mot de Pierre. Vas-y. Je voulais simplement dire, comme j'avais dit, j'ai eu cette chance d'aller à la COP25. Et devant tous ces journalistes, j'ai dit, nous ne savions pas que c'était impossible, alors nous l'avons fait. Merci simplement. Voilà. Merci Pierre. Julien. Mesure barrière. Très rapidement, nous allons couper le live. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont suivi cette convention. Il y aura encore des vidéos, des retours. Merci à vous, merci aux journalistes, merci aux citoyens qui ont pu suivre également. Maintenant, c'est aussi votre débat, pas seulement des 150.
Donc merci à tous ceux qui ont suivi.